Nous allons parler aujourd'hui de revenus de base inconditionnels. Alors tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un revenu de base inconditionnel. C'est trois mots principalement: revenu, base et inconditionnel. Pourquoi est-ce qu'on parle de revenu de base inconditionnel? C'est parce que voilà que maintenant en Suisse, il y a une initiative fédérale qui a été déposée. Il y a une initiative fédérale, il faut donc que des citoyens récoltent au moins 100 000 signatures en 18 mois. Et il se trouve qu'il y en a 126 408 qui ont été récoltées. Et ainsi, on a un texte qui est proposé en votation populaire, en référendum, pour tout le monde. Et tous les citoyens suisses devront se prononcer de savoir s'ils veulent ajouter l'article suivant dans la Constitution. Donc c'est un article qui propose l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. Toujours ces trois mots. Il y a d'autres mots qui existent, allocation universelle, qui est aussi un des plus utilisés, mais ici, on verra ce que ça veut dire et pourquoi ces mots. Il y a des choses intéressantes qu'on doit retenir de ce qui va être changé dans cette constitution. C'est pour l'ensemble de la population qu'on veut un revenu de base inconditionnel. Il doit pouvoir subvenir aux besoins d'une existence digne et pour participer à la vie publique. C'est un principe qu'on aimerait instaurer, donc il n'y a pas le montant et il n'y a pas l'explication du financement. C'est bien marqué dans cet article de Constitution que la loi règle le financement et le montant. Donc comme ça, on se prononce d'abord sur le principe et ensuite les moyens derrière seront adaptés, seront discutés par le Parlement et reproposés plus tard. Et c'est des choses qui peuvent changer au cours du temps. Là, c'est vraiment une initiative qui modifie une constitution. Dans une constitution, on ne met que des principes. Et ainsi, c'est au moins une initiative qui est valable parce qu'elle ne va pas à l'encontre de lois internationales, des droits de l'homme et ce genre de choses avec lesquelles certaines initiatives ont eu des soucis ces dernières années. Ici, on a vraiment quelque chose qui est bien conçu au niveau juridique. Ça marche. Donc, on va revenir sur ces trois mots: revenu, base, inconditionnel. Qu'est-ce qu'un revenu? Alors ici, on parle d'un revenu. Tout le monde a un revenu pour vivre. Ici, on veut donner un revenu de base à toute la population suisse. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas que les citoyens, ça concerne aussi les étrangers qui vivent en Suisse. Par contre, ça ne va pas forcément concerner les citoyens suisses qui vivent à l'étranger. C'est vraiment les résidents en Suisse. Au Koweït, par exemple, ils ont un revenu de base. Il est donné qu'aux citoyens du Koweït et pas aux étrangers qui vivent là-bas, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers et ça leur coûte pas trop cher. Donc un revenu de base inconditionnel, ce qu'on aimerait, c'est un revenu qui permet de vivre, qui soit suffisant pour vivre dignement. Alors effectivement, on peut épiloguer longtemps pour savoir qu'est-ce qui permet de vivre dignement. Est-ce que c'est un montant de 2 000, 2 200 francs, 3 000 francs, 4 000 francs? On a entendu un peu de tout. Et il faut savoir qu'il y a déjà la Conférence suisse des institutions d'action sociale, la CSIAS, qui s'est déjà penchée sur la question, qui est capable de dire ce qu'est un montant qui permet de vivre dignement en Suisse. C'est là-dessus qu'on base l'aide sociale. Alors, dans le principe du revenu de base inconditionnel, souvent, on le définit comme étant à peine plus haut que ce qu'on pourrait utiliser pour faire un minimum vital qui est donné à l'aide sociale. Donc on a déjà plus ou moins quelque chose d'un ordre de grandeur qui existe comme ça. Certains disent aussi que ça devrait être proche du tiers du salaire médian, sachant que maintenant il est à peu près à 6 100 francs, on aurait quelque chose qui tourne autour de 2 200 francs à peu près dans le tiers d'un revenu de base. Et dans les médias, on a beaucoup vu la proposition de 2 500 francs. Donc voilà ce qu'on peut entendre par revenu digne qui permet de vivre en Suisse. Sachant que il y a aussi toutes les considérations régionales, et il faudra prendre compte de ceci. Ce qu'on entend ici aussi dans ce revenu de base inconditionnel, il est
individuelle. Ça veut dire que c'est l'égalité homme-femme qui est assurée, ce que n'assurent pas les salaires. Ici, on a vraiment un revenu qui est où l'égalité est de droit, et vraiment, les hommes et les femmes sont sur un même pied d'égalité. Et on verra que ça change pas mal de choses quand même. Ça devrait plaire aux gens qui défendent l'égalité homme-femme. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire, qui n'existait pas auparavant, même si on parle d'égalité depuis longtemps. Alors, faut voir que dans les revenus de base, ça vaut la peine de l'écrire de ce qu'on veut vraiment. Parce que, par exemple, en Iran, il y a un revenu de base qui existe. Et là, c'est donné par ménage. C'est le chef de famille qui les reçoit. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Bon, la Suisse est loin d'être une république islamique aussi. Donc, on a vraiment une différence. En Suisse, dans le cadre de ce qui est proposé, c'est un revenu de base qui est individuel. C'est aussi une grande différence par rapport à ce qui se fait dans le même genre de choses. On parle de l'AVS, qui est quelque chose de très proche, qui concerne les retraités, mais il existe des rentes de couple. Ça veut dire qu'elles sont calculées seulement pour deux personnes. On vous donne moins. C'est la même chose pour l'aide sociale. Il y a aussi des rentes de couple. Si vous êtes marié, vous allez gagner moins. Donc quand il y a des gens qui ont vraiment des petits moyens et qu'ils n'ont que de l'AVS ou de l'aide sociale, il y a beaucoup d'assistants sociaux qui proposent comme solution, eh bien divorcer, comme ça, eh ben voilà, vous aurez plus d'argent. Donc c'est peut-être ce qui explique que dans certains cantons, il y a les taux de divorce qui explosent en même temps que ceux de l'aide sociale. Ensuite, on a le mot base, un revenu de base inconditionnel. Alors moi j'aime bien cette petite image qui nous montre en bas qu'un revenu de base peut être considéré comme un socle social, en opposition à ce qu'on appelle un filet social. C'est une approche totalement différente. Le socle, c'est positif, c'est un droit fondamental, un revenu de base inconditionnel. Alors qu'un filet social, ce sont des assurances qui assure un risque. Ça veut dire que vous avez un souci à un moment donné, on va vous aider. Tandis que le socle, il est préventif, il vous aide déjà à la base, et avec ça vous assure que vous n'ayez pas de souci. C'est vraiment une différence fondamentale qui fait que le socle, il a vraiment un aspect positif. Tandis que le filet, il est vraiment négatif. Si vous êtes au chômage, si vous êtes à l'aide sociale, ça a vraiment une connotation négative. Vous avez l'impression d'être un profiteur. Vous avez toujours des gens qui sont là à trouver que vous êtes des gens qui abusent, qui profitent et tout. Non, le socle, c'est vraiment quelque chose qui pousse les gens en avant, qui les aide. Et je pense que là, déjà, il y a un climat qui va être favorable. En instaurant un revenu de base inconditionnel, on change totalement cette dynamique. On a envie que les gens se sentent bien à la base. Donc le revenu de base, c'est vraiment quelque chose où d'abord on fournit et ensuite par-dessus on construit d'autres revenus. Ça permet d'autres revenus, ce qu'un filet ne permet pas. Un filet, si vous avez des mailles qui sont trop grandes et que vous tombez à travers des trous du filet, ben c'est encore pire. Vous risquez de louper quelque chose que vous auriez droit. Et il y a plein de gens qui ainsi passent au travers des mailles du filet. Donc avec le socle, c'est vraiment assurer que dans notre société, la pauvreté n'existe pas. Et qu'on veut favoriser la liberté de faire par-dessus plein de travaux qui peut-être ne pourraient pas être financés comme ça, mais qui, avec un socle, permettent d'être faits. Donc, c'est vraiment assurer une base qui permet ensuite d'avoir des revenus supplémentaires. L'aide sociale, souvent, on est bloqué à l'aide sociale. Dès que vous avez un revenu supplémentaire, on vous le reprend et vous l'empêche. Il est plus facile de rester à l'aide sociale. C'est pas du tout incitatif à en sortir, l'aide sociale. Alors que le socle, il renverse cette logique et on est incité à travailler. Donc, faut pas dire que le revenu de base inconditionnel, c'est quelque chose qui va empêcher les gens de travailler, qui va favoriser la paresse. Ça, c'est totalement faux. Le revenu de base inconditionnel, c'est quelque chose pour inciter les gens à travailler, pour pouvoir libérer leur potentiel. Et ça, c'est quelque chose auquel qu'il faut bien comprendre. On ne veut pas la paresse. Justement, on veut libérer ce potentiel de plein de gens qui ont envie de faire des choses, mais que le système actuel les empêche. Parce qu'on aime favoriser
telle ou telle situation, mais pas forcément tout. Là, c'est vraiment un truc qui va favoriser l'activité, le travail, des choses utiles et des choses nécessaires. Ensuite, ce qui est assez révolutionnaire, c'est le mot inconditionnel. C'est ce qui choque le plus. Parce que l'aide sociale, finalement, c'est déjà un revenu de base. En Suisse, si vous avez des soucis, on vous assure un revenu. Mais c'est pas inconditionnel et ça a plein de problèmes qui font qu'on a tendance, ben, comme je le disais tout à l'heure, à y rester à l'aide sociale si vous avez un souci ou à être vu vraiment de manière négative. Alors que ici, inconditionnel, ça montre qu'en fait, on a envie de le donner à tout le monde et pour que ça marche, c'est vraiment à tout le monde. Alors, comme on est en Suisse et que c'est une votation suisse, ben, ce ne sera pas au-delà de la Suisse. Mais c'est vraiment que tout le monde en Suisse, dans cette communauté que forment les résidents en Suisse, le peuple suisse qui vit en Suisse, tout le monde est dans le même bateau et tout le monde doit contribuer à cette société. Et ainsi, on reconnaît qu'on fait partie de cette société en fournissant un droit fondamental qui est un revenu de base inconditionnel. Et ça, c'est une manière qui permet aussi d'éviter qu'on ait tout un système administratif qui va être dans l'optique de contrôler, de savoir si les gens ont droit à un revenu ou pas. Ça, c'est vraiment toute une machinerie qui approche de l'État totalitaire dans laquelle on a envie de tout savoir sur les gens, qu'il y a des fonctionnaires qui viennent, que c'est de la paperasse, de la justification. Et finalement, c'est une forme de corruption aussi qui est possible par là. Parce que finalement, on a le copinage qui peut arriver, on est à les pots de vin, je paye tant et je peux arriver. En Suisse, c'est peut-être plus limité que dans d'autres pays, mais avec ça, on s'assure qu'on a vraiment un système où on a une égalité de droit entre tous les citoyens qui reçoivent ce revenu de base inconditionnel. Alors, dans l'inconditionnalité, bah, ça choque assez facilement parce que tout d'un coup, on découple le fait qu'il soit obligé de travailler et le fait qu'on soit plus obligé de travailler pour avoir un revenu qui permet de vivre. On est inculqué depuis très longtemps, c'est encore dans la mémoire collective, du fait que celui qui travaille pas, il a droit à rien. Tu bosses pas, tu reçois rien. Tu vis pas. C'est la fable, la cigale et la fourmi. T'as chanté tout l'été, t'as pas bossé, et ben t'as droit à rien. Continue de chanter, de danser. Et ça, c'est ce qui fait en fait le plus grand problème, la première réaction de chacun qui vient ici, c'est de se dire non, mais c'est pas possible, on peut quand même pas laisser des gens travailler, qui travaillent pas, on peut pas leur donner un revenu, ils n'ont pas le droit de rester en vie, il faut qu'ils contribuent quand même d'une manière ou d'une autre. Alors c'est la logique qui prévaut aussi dans l'aide sociale, où il faut quand même montrer qu'on a une certaine activité en faveur de la société, qu'on agit dans des associations, qu'on a une certaine utilité publique, on force des gens à aller trier les archives de l'État pour pouvoir au moins prouver qu'ils agissent quand même pour le bien commun. Non, alors là, c'est vraiment quelque chose où le revenu de base inconditionnel, dans l'inconditionnalité, on sépare tout ça. Mais finalement, si on y réfléchit, est-ce que ce lien existe encore? On vit dans une société qui a beaucoup changé. On n'est plus dans la survie totale où tout le monde doit travailler sinon tout le monde meurt. On est dans une société qui peut vivre avec son abondance. Et si on regarde la structure des revenus, actuellement, tout le monde a un revenu. On vit dans une société où on est tellement spécialisé on n'est plus en autarcie, en autonomie. Chacun, on vit d'échanges avec les autres. Donc on a de l'argent pour faire cet intermédiaire de confiance entre chacun. Et cet argent, on est obligé de l'avoir, donc d'avoir un revenu. Et dans notre société, ça fonctionne comme ça. Donc tout le monde a un revenu pour vivre, sinon c'est pas possible de vivre dans notre société. Mais on remarque que seuls 40% des gens, donc une minorité de la population, a un revenu par le fait que lui-même travaille. Les 60% restants, ce sont des gens qui ont des revenus de transfert, comme on appelle. Des revenus qui ne leur viennent pas directement par le propre travail. Peut-être qu'ils font travailler leur argent. C'est ce qu'on appelle les rentes. 20% des gens ont une rente. Ils vivent parce qu'ils ont des immeubles, parce qu'ils ont hérité d'une maison et ils vivent des locations d'autres gens. Parce qu'ils ont eu un investissement dans la bourse. Ils ont suffisamment d'argent pour que leur argent travaille pour eux. C'est ce qu'on dit. L'argent travaille. Bon.
Ou alors tout simplement, ce sont des retraités qui ont l'AVS et qui reçoivent une rente. Mais on parle aussi beaucoup de ce qu'on a tous fait en étant plus jeunes. Nous étions tous enfants et c'est notre famille, nos parents qui subvenaient à nos besoins, qui nous assuraient qu'on ait un revenu pour vivre. Et ça peut aller assez loin, ça peut aller jusqu'aux étudiants, hein. Les étudiants doivent avoir de l'argent fourni par leurs parents. Les parents sont obligés par la loi à subvenir aux besoins de leurs enfants pendant leurs études. Et tout ce qu'on parle des pères et des mères au foyer, ben c'est aussi souvent des gens qui n'ont pas forcément de revenus, mais qui ont un revenu dans le modèle de la famille traditionnelle. Une personne travaille, l'homme travaille et a un revenu qui fait vivre toute sa famille avec ça. Et puis finalement, on remarque qu'il y a environ 10% des gens qui, eux, vivent d'aide sociale, qui sont au chômage, qui sont à l'assurance invalidité, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce que le marché du travail leur est fermé, pour diverses raisons. Ce sont des gens qui vivent d'assurance sociale ou de ce qu'ils ont contribué comme assurance eux-mêmes pour le chômage. Alors quand je dis ça, c'est vrai que 10%, il y a beaucoup de gens qui pensent, mais c'est énorme, c'est pas vrai, il n'y a pas autant en Suisse. C'est vrai que dans l'Union européenne, on voit que le chômage structurel est déjà à 10%. Déjà rien que le chômage incompressible. Donc on dit, c'est normal qu'il y ait 10% de chômage. Donc là, c'est facile, on voit bien les 10%. En Suisse, on les voit plus difficilement. On se dit, non, on a un taux de chômage tellement bas, c'est 3%. 3%, d'accord, c'est vrai. Mais alors le reste, il vient d'où? Faut dire qu'il y a l'aide sociale aussi. L'aide sociale, c'est aussi en moyenne 3%. On monte déjà pas mal. Ensuite, il y a encore 2% et demi de gens qui sont à l'AI. Et là, on approche déjà la presse des 10. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des grandes différences cantonales. En Suisse romande, on est déjà plutôt à 5% de chômage que 3% suisse, en fait. Donc il y a des déformations. Et si on va encore dans les extrêmes, dans le canton de Neuchâtel, on est déjà à des taux, on est à 12% de gens entre l'aide sociale et le chômage. Donc ce qui est déjà assez énorme. Dans le canton de Vaud, on a 5% et 4,9%. Donc on est déjà à 9,9% de gens qui sont à l'aide sociale et au chômage. Donc là, les 10%, ben on les a. Donc c'est vrai qu'il y a des régions qui sont plus touchées et d'autres moins touchées. En Valais, il n'y a que 1,4% de gens qui sont à l'aide sociale. Voilà. Alors, des fois, il y a des disparités. Et il se trouve que ben, on est de plus en plus dans les extrêmes. On va toujours vers des gens qui s'en sortent très bien et des gens qui s'en sortent de moins en moins bien. Et en fait, la moyenne ne veut pas forcément dire grand-chose. La moyenne, elle fait la somme des extrêmes. Donc, elle n'est peut-être pas très représentative, en fait. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a plein de gens, enfin, on manipule un peu les statistiques du chômage. Quand la statistique augmente trop, eh ben, on change les conditions pour accéder au chômage, ce qui fait que la statistique rediminue. On diminue le nombre de personnes. C'est ce qu'on a fait avec les votations en septembre 2010 sur la LACI, où on a empêché à beaucoup de jeunes de moins de 30 ans d'accéder au chômage, ce qui se faisait auparavant. Du coup, forcément que la statistique est assez stable, le chômage n'augmente pas. Mais ce qu'on voit pas, c'est que depuis, on a 3 000 personnes par mois en moyenne qui passent du chômage à l'aide sociale. Parce que tout d'un coup, on a décidé que l'assurance chômage durait moins longtemps. Donc on n'a pas résolu le problème. On empêche juste que la statistique voit le problème. Donc finalement, avec des telles logiques, l'aide sociale est en train d'exploser. Et là, on a vraiment un problème de système qu'il faut changer. Le revenu de base inconditionnel arrive pour justement changer ce système. Alors on peut se poser la question pourquoi un revenu de base? Et aussi pourquoi maintenant et pas bien avant? Parce que l'idée date d'il y a à peu près 200 ans. La première fois qu'on en a entendu parler, on peut évoquer notamment Thomas Paine, un des pères fondateurs des États-Unis, qui avait proposé comme droit fondamental avec les autres droits. Les droits de vote, par exemple,
un droit à un revenu qui permet de vivre. Alors forcément, à l'époque, on n'était pas dans les mêmes notions d'abondance que maintenant. Il y avait une notion de survie un peu plus présente. Donc, ce revenu de base n'est pas venu. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé il y a 40 ans? Ben, c'est que la situation n'était pas encore mûre non plus. Et maintenant, depuis à peu près 25 ans, on a eu un changement de beaucoup de facteurs dans la société qui font que aujourd'hui, on a toutes les conditions réunies pour qu'on ait besoin d'un revenu de base inconditionnel et que ce soit la solution à de nombreux problèmes et que ce soit vers ce quoi il faut aller pour pouvoir résoudre ces problèmes. Alors, dans toutes ces conditions favorables, ben c'est vrai que on est dans une société abondante. Hein. On peut même dire que la Suisse, c'est le pays le plus riche du monde, de la société la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, on peut peut-être se permettre d'avoir un outil de ce style. On a aussi un progrès technique qui a fait que on automatise beaucoup de choses. Il y a énormément de tâches pénibles, de travaux. Travail, ça vient vraiment du mot latin qui était un outil de torture. Donc, on est beaucoup plus tranquille. Tout ça, c'est automatisé. On l'a voulu, cette automatisation. Et maintenant, ben, elle nous pose des problèmes parce que le système, il est plus tout à fait compatible avec comment on fonctionnait auparavant. Il y a aussi quelque chose que j'appelle la mode du faites-le vous-même ou du self-service. C'est la rationalisation en fait qui pousse à faire ça, histoire que les entreprises n'automatisent pas, mais font un report de charge du travail, on le donne plutôt au client, plutôt que l'entreprise le fasse elle-même. Et puis ce qui a fondamentalement changé, et qui n'est pas très visible en fait, c'est l'économie. L'économie, on est passé d'une économie industrielle à une économie financière. Ça remet en cause beaucoup de modèles et beaucoup d'idéologies qui sont toujours présentes. Les partis politiques sont souvent figés là-dedans, alors que on n'est plus dans un monde qui fonctionne comme on a l'impression qu'il fonctionne. On va revenir sur tous ces facteurs après pour pouvoir voir le détail de ce que ça implique. Quand je parle d'automatisation, il y a plein d'exemples. On peut parler. On l'a voulu, hein. Le but de l'évolution technique, c'est toujours gagner du temps. C'est le progrès. C'est la modernité. On avance, on a envie d'avancer. Et on a trouvé qu'en fait, automatiser et utiliser des sources d'énergie fossiles, c'est des choses qui ont permis de mécaniser et d'alléger le travail humain. Donc finalement, on en vient à se passer des humains dans beaucoup de tâches. Est-ce que vous connaissez encore beaucoup de pompistes en station-service? Moi, j'en connais un, mais je crois qu'il n'y a plus que une station-essence que je connais dans laquelle il y a des pompistes. Et j'étais déjà très étonné de savoir que ça existait encore. Maintenant, c'est des automates partout. Vous mettez le code, vous mettez votre carte de crédit, ça fait tout tout seul. Vous devez encore peut-être aller à la caisse, mais le métier de pompiste, il a disparu, comme beaucoup de petits boulots, comme on disait. Mais il n'y a pas que les petits boulots qui ont disparu. Il y a des boulots qui étaient des employés de bureau, dans les employés de banque, dans les guichets de banque, les guichets à la poste. Il y en a de moins en moins. La plupart des gens commencent à faire le e-banking et on nous a forcés à faire ça aussi, avec des conditions plus avantageuses. On dit, on va utiliser un service de e-banking parce que la technique nous le permet de faire ça depuis chez soi. Auparavant, ça se passait autrement. Auparavant, il y avait des gens qui devaient lire les bulletins de versement, regarder ce qui était dessus et peut-être faire des saisies informatiques comme ça se faisait il y a une vingtaine d'années. Maintenant, les banques ne se préoccupent plus de ça. Ça fonctionne tout seul. 10% des gens, des employés sont nécessaires pour faire ce qu'on faisait il y a 20 ans. Si on va encore après dans les trains, on a fait des effets un peu différents. Il y a des automates partout. Hein, vous allez à l'automate à billets, vous n'allez plus au guichet. La plupart des gares, maintenant, on a fermé, automatisé, géré à distance les aiguillages, plus rien n'existe. Les contrôleurs de train existent encore, mais c'est sur les grandes lignes, sur les petites lignes, il n'y en a plus. Sur les lignes régionales, il n'y en a plus. Et du coup, alors, sur les lignes régionales, il y a de l'insécurité. Ah, voilà. Avant, il n'y avait pas d'insécurité, il y avait toujours quelqu'un qui venait un peu
regarder que tout se passe bien. Du coup, on invente des caméras de sécurité qu'on place partout et la police ferroviaire se développe. Donc, du coup, je ne sais pas trop si on y a gagné. Si on va dans le domaine des journaux, de la publication, ça a énormément changé. On n'en est plus aux typographes qui font des caractères en plomb pour imprimer des journaux. Tout est informatisé et on a une productivité nettement plus gigantesque. On passe par Internet pour publier et du coup, ben, les journaux ont des soucis à vivre aussi avec ça. Et c'est ce qu'on a voulu. Et toute la poste est totalement renversée par toute cette communication électronique. Enfin, les ordinateurs qui nous permettent de communiquer instantanément à l'autre bout du monde. Et finalement, que fait la poste? Ben, elle vend des casseroles. Eh oui, je suis allé dernièrement au guichet, on nous vend des casseroles, on nous vend du chocolat, on nous vend des fleurs, des bijoux, des livres, des pommeaux de douche. C'est juste incroyable. Donc maintenant, le géant jaune va plutôt devenir le géant bazar jaune. Et ça, c'est une tendance qui est grandissante dans tous les domaines. Que ce soit le secteur primaire, tertiaire, tous les domaines sont automatisés. L'agriculture, ça s'est automatisé il y a très longtemps déjà. Un tracteur suffit pour gérer une énorme exploitation. Et finalement, ben on en arrive à cette petite illustration que je voulais montrer. On a des imprimantes 3D dans tous les domaines qui construisent à partir de modèles numériques. Et ça, je l'avais mis comme étant le futur d'avoir des imprimantes 3D qui construisent des maisons. Et j'ai appris hier que c'est le présent. En Chine, ça commence. Il existe une espèce de pâte qu'ils utilisent pour construire des maisons directement. Blou blou, tout est automatisé. Alors quand on a le petit dicton qui dit quand le bâtiment va, tout va, et bien là, le bâtiment, et ben, il n'y aura bientôt plus d'ouvriers. Donc l'automatisation, c'est quelque chose qui est vraiment une tendance générale. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière qui montrait que sur 700 métiers qui ont été étudiés, 70% pouvaient être automatisés dans les 10 à 15 prochaines années. Et on parle de métiers très divers. Les journalistes sont automatisés par des robots qui font aussi du texte, qui pondent des articles. Donc là, on va vers des grands changements. On ne peut plus garantir que l'économie fonctionne comme ça. Donc, un petit exemple que je trouvais sympathique, c'est que finalement, on a toujours moins de monde qui travaille, mais on fait aussi toujours plus. Le temps de travail n'est pas forcément lié avec la productivité. Il y a plein de gens qui pensent que si on baisse le temps de travail, on va baisser la productivité. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a déjà deux types de métiers. Il y a des métiers qui sont liés au temps et des métiers qui ne sont pas liés au temps. Tous les milliardaires le savent, il faut faire un métier qui ne nous prend pas de temps pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Par exemple, une coiffeuse, elle a un nombre limité d'heures dans la journée. Elle ne pourra faire qu'un nombre limité de coiffures dans la journée. Elle ne pourra pas faire à des prix faramineux, infinis, et donc elle a un revenu qui est limité. Par contre, quelqu'un qui vend une application iPhone, Instagram ici en l'occurrence, elle pourra travailler un temps fixe, peut-être que je travaille 3 mois sur mon application, et ensuite je la vends, et je peux la vendre, je ne sais pas combien de fois, je peux ne pas la vendre comme la vendre des millions de fois, comme Instagram. Et du coup, mon revenu n'est pas du tout lié au temps de travail. Donc déjà là, il faut faire attention aussi. Et on est capable de faire plus avec moins de monde. C'est vraiment ça. Alors j'aime bien le petit slogan qui avait été inventé par Monsieur Eastman au moment où il a créé Kodak. C'était clic-clac Kodak. Vous prenez la photo, nous faisons le reste. C'est ce qui a fait le succès de Kodak. La photographie, quand elle est chimique, c'est une industrie chimique, avec des plaques d'argent, avec des films d'argent, c'était compliqué. Là, Monsieur Kodak, Monsieur Eastman, il a dit, avec Kodak, c'est facile. Vous pressez sur le bouton, on fait tout le reste, vous avez des photos. Alors, quand c'était une industrie chimique, il fallait 145 000 employés chez Kodak pour réussir ce tour de force.
Ah, ils avaient quand même réalisé jusque en 2000, je crois que c'est l'année où il y a eu le plus de photos argentiques, il y a quelque chose comme 90 milliards de photos en une année. Ça fait plus de 2000 à la seconde des photos. Que une entreprise arrive à gérer ça, c'est faramineux. Et effectivement, ils avaient besoin d'énormément d'employés. Puis on se retrouve 10 ans plus tard, Instagram, qui finalement fait la même chose. Vous cliquez, ça fait clic-clac, et on a même gardé le bruit. Tout le reste est différent. C'est une entreprise informatique, alors qu'avant c'était une entreprise chimique. Et là, pouf, vous diffusez vos photos. Et du coup, avec 13 employés, Instagram faisait la même chose. Il fait toujours que Kodak, avec 145 000 employés. Là, on a un facteur 10 000. Et on fait nettement plus. On est passé de 100 milliards à 400 milliards de photos en 10 ans. C'est une croissance du nombre de photos qui est faramineuse avec 10 000 fois moins d'employés. Donc on est vraiment dans cette productivité qui augmente, et ça ne concerne pas uniquement ce domaine, mais beaucoup d'autres domaines. Il y a ce que j'appelle l'économie du faites-le vous-même, ou ça peut aussi être l'économie du self-service. C'est un peu selon. Je n'ai pas trouvé de mot vraiment exact. C'est en fait une rationalisation des entreprises qui tend à déplacer les tâches qu'une entreprise traditionnellement faisait chez les clients. Alors, je prenais l'exemple de Ikea, hein. Les meubles avant, on les achetait déjà construits. Tout d'un coup, on les achète en kit. C'est à faire nous-mêmes. Alors du coup, ben, on a rationalisé. Et du coup, ben, vous trouvez sympa, ben, c'est aussi vous qui l'avez fait. Et du coup, ça vous plaît et c'est un jeu et ben, ça marche. Avec ça, ils ont diminué leurs coûts et ils ont réussi à être plus forts que certains concurrents qui vendaient des meubles tout faits. Ils avaient besoin de peut-être moins d'employés. Et si on observe bien, il y avait aussi, il y a quelques décennies, beaucoup de petites épiceries partout. Et tout d'un coup, les grandes surfaces sont arrivées. Alors une épicerie, c'est tout petit. Vous faites la file, et puis vous dites bonjour, j'ai une liste de courses, j'aimerais ça, 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 ça. Et à l'épicerie, on vous donne tout sur le comptoir, et hop, vous repartez avec ça. La grande surface, ben, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus grand. Et tout est en libre service. Vous allez dans les rayonnages, allez chercher les différentes choses. Les fruits et légumes, vous allez les chercher, vous les tâtez vous-même. Ça, c'est des choses. Ça a remplacé totalement. Les épiceries n'existent plus. Et du coup, ben, y a une façon différente de faire les choses qui s'inscrit gentiment. Et quand vous arrivez à la caisse de ce supermarché, je me souviens encore quand j'étais petit, il y avait des caissières qui étaient très rapides sur leur clavier et qui arrivaient à noter tous les prix. Tac, 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 tac. Puis la technique a avancé, on est passé au scanner et les caissières sont devenues plus que des personnes qui font passer vos aliments sur le tapis roulant et qui les scannent, blip, blip, et qui demandent si vous avez la supercard ou la carte Cumulus à la fin. Et puis, comme les cartes de paiement sont généralisées, ils n'ont même plus encaissé la monnaie. Et finalement, on ne sert plus à grand-chose, ce qui fait que les grandes chaînes de supermarchés se disent que. On peut les remplacer. Donc, c'est ce qui arrive gentiment. À la COP, à la Migros, maintenant, ces derniers mois, je vois de plus en plus qu'on nous met les Subito, les Passabene, des scanners à main, et on dit aux clients, c'est génial, vous pouvez vous-même directement scanner et faire votre facture, et on n'a plus besoin des caissières. Alors les caissières vous disent non, mais ils nous ont promis qu'ils n'allaient pas nous remplacer. Mais bon, ça c'était un leurre, ils vont pas remplacer celles qui sont là maintenant, mais à terme, ils n'engageront plus des nouvelles personnes. Et il faut juste que les gens s'y fassent. Alors c'est là où, quand on discute de ça avec la plupart des gens, ils disent « Non, oh, mais moi je continue quand même à, je veux soutenir les caissières, sinon elles vont disparaître, sinon il y a des métiers comme ça qui vont disparaître. » Et c'est là qu'on a vraiment un débat qui est un peu contradictoire, parce qu'on n'a pas envie de faire disparaître ces métiers-là, parce qu'on connaît les conséquences, mais en même temps, on a envie d'aller vers l'automatisation, la rationalisation, et s'il n'y a personne à la caisse, on va bien aller à la caisse, mais si tout d'un coup la file s'allonge, j'observe quand même qu'il y a des gens qui disent « Bon, ben, il y a moins de monde, là je peux le faire moi tout seul, et puis ça ira aussi, hein. » Donc finalement, le comportement peut changer. Et
Là, ça va encore une fois faire disparaître des emplois, des métiers. Puis, en dehors des supermarchés, il y a de nombreuses situations. Si vous allez à un concert, à un festival, comment est-ce que vous obtenez votre billet? Le réflexe maintenant, c'est d'aller trouver le site web où on peut acheter le billet à distance et on imprime un billet qui sera scanné aussi à l'entrée du festival. On peut imprimer son billet soi-même, ce qui avant devait se faire à un guichet physique où on devait aller à un endroit, on devait éventuellement téléphoner. Maintenant, tout est automatisé, mais pas automatisé totalement. C'est beaucoup les clients qui font des choses qu'avant ils ne faisaient pas. Quand on prenait un billet d'avion, on avait un joli billet qu'on nous envoyait par la poste. Maintenant, ben on a juste une feuille à imprimer chez soi, comme dans un billet de train aussi. On peut aussi l'imprimer chez soi, ou voire même plus l'imprimer, mais juste le garder sur son iPhone, puis aller à l'embarquement et se faire scanner ça aussi. Finalement, faites-le vous-même, c'est la mode du scanner. Un grand changement fondamental qui n'est pas souvent vu, c'est la financiarisation de l'économie. J'observe que depuis 20-25 ans, on va vers une économie qui est beaucoup plus financière majoritairement, alors qu'avant elle était industrielle. Ça fait des grands changements, mais des fois les partis politiques et la plupart des gens n'ont pas encore pris conscience de ça. Il faut toujours défendre les travailleurs. Il y a des syndicats qui défendent le travailleur. Il y a des partis qui revendiquent le marxisme ou des économistes marxistes qui parlent du travail comme étant une valeur, comme étant quelque chose qui est un peu général. Mais en fait, cette économie dite réelle, elle concerne plus grand-chose dans les flux financiers. Si on observe une journée d'échange monétaire, avec 3 000 milliards par jour d'échanges qui se font dans le monde, on observe que seuls 3% de ces échanges concernent l'économie dite réelle, ce qu'on voit tous les jours, là où il y a des gens. Le reste, c'est de l'économie financière, c'est de la spéculation, c'est des robots qui échangent des flux monétaires. Donc finalement, quand Marx essaie de trouver la notion de valeur et défend la lutte des classes entre les travailleurs et les patrons, c'est quelque chose qui concerne finalement une économie qui est très très faible. C'est peut-être vrai, mais dans seulement 3% de l'économie. Ce qui fait que tout le reste, bah, ça fonctionne autrement. Donc est-ce que c'est encore valable ce genre de raisonnement? Est-ce que ça vaut la peine de défendre des travailleurs, de vouloir mettre un salaire minimum? Il faut déjà avoir un salaire pour avoir un salaire minimum. Il y a toutes des logiques qui sont comme ça ancrées dans la défense des intérêts de travailleurs qui finalement vivent dans un monde, on vit dans un monde qui n'est plus comme ça, qui a changé. Et ça, on l'observe, une entreprise qui fait suffisamment de cash, qui a suffisamment de ressources financières, elle va finir par investir dans l'économie financière et elle va remarquer au bout d'un moment qu'elle fait plus d'argent dans l'économie financière que dans son métier de base. Déjà, depuis les années 90, c'était le cas de Ciba, l'ancien Novartis dans l'industrie pharmaceutique. Ils annonçaient déjà qu'ils avaient fait des records de bénéfices et qu'ils avaient fait plus de chiffres d'affaires dans leurs placements financiers que dans les médicaments, ce qui est déjà énorme, l'industrie pharmaceutique et chimique dans les médicaments. Donc après, il ne faut pas s'étonner quand tout d'un coup, il licencie une partie d'une branche qui était en fait de la production, parce que finalement, ils ont déjà assez d'argent et gagnent plus d'argent en faisant un métier qui n'était pas leur à la base, mais finalement qui devient principal. Si vous faites plus d'argent en bourse, pourquoi est-ce que vous continueriez à faire une activité qui vous rapporte moins et avec qui vous pose plus de problèmes, parce qu'il y a des employés réels derrière? Faut pas s'étonner de voir des licenciements comme ça. C'est quelque chose qui va dans cette logique. Quand UBS décide de licencier des gens parce que tout va bien, c'est normal dans une économie où finalement c'est les placements financiers.
Comme je vous l'ai dit, le e-banking, c'est 10 fois moins de monde qui travaille dans la banque. Donc, ben en 2012, ils ont annoncé, UBS, on supprime 11 000 emplois. Donc, tout allait bien, on supprime. Donc, c'est pas parce que ça va mal. Et là-dessus, en fait, c'est encore pervers, parce que la bourse, elle se dit, génial, ils vont encore économiser de l'argent, donc le titre augmente. Et en 10 minutes, UBS a gagné 3,5 milliards avec l'augmentation de son titre pour annoncer qu'il supprimait 11 000 emplois. C'est vraiment génial, l'économie financière. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas récent, parce que déjà aux États-Unis, vous connaissez le réalisateur Michael Moore, qui a fait les films comme Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 et Capitalism Love Story. Il a commencé déjà par un superbe film. Déjà, il y a 25, bientôt 30 ans, il a commencé le cinéma pour expliquer que dans sa ville natale, la ville de Flint, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'est que tous les employés de General Motors, qui étaient basés à Flint, toute la majorité des habitants de la ville étaient employés de cette entreprise, qui était une des plus grandes du monde. Ils disaient, comment est-ce que, d'un coup, du jour au lendemain, les usines de Flint ont été fermées. Et c'est la ville entière qui est devenue une ville fantôme. Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de travail. Tout a disparu. Et lui, il s'est dit, mais je ne comprends pas comment l'entreprise la plus grande du monde, comment celle qui marche bien, qui n'a aucun souci financier, comment est-ce qu'elle fait pour tout d'un coup licencier des gens? Moi, je croyais que licencier des gens, c'était juste quand ça va mal. Eh ben non. Actuellement, l'économie financière, c'est justement quand tout va bien, on licencie. Et c'est exactement ce qu'a dit le patron de l'UBS. Il a dit, il faut licencier parce que tout va bien. Il l'a dit mot à mot dans un reportage sur la RTS. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et en Suisse, il y a aussi eu, il y a déjà une quinzaine d'années, le cas Feldschlössen, marque de bière très connue. Feldschlössen a des actifs immobiliers très importants. Et à un moment donné, la direction avait dit qu'il voulait se séparer de l'activité bière pour ne conserver que l'immobilier avec qui il faisait plus d'argent. Là, il y a eu une levée de bouclier des petits actionnaires qui se sont dit, mais moi j'ai acheté des actions dans une marque de bière, je m'en fiche de l'immobilier. Et du coup, ces petits actionnaires, ben, ils étaient quand même nombreux et ils ont fait changer la balance pour que la marque Feldschlössen reste de la bière. Là, on voit vraiment la logique de l'économie financière. Elle ne se préoccupe pas de l'industriel, elle ne se préoccupe pas des emplois qui sont dans l'industriel. On a un changement fondamental, la financiarisation de l'économie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre maintenant. Et j'incite vraiment les gens qui sont liés dans des idéologies plus liées à l'industrialisation de réaliser ça et de réaliser que si on veut changer les choses, il ne faut pas se focaliser sur des vieux systèmes de pensée, mais il faut vraiment penser qu'on est dans un monde qui a changé ces 25 dernières années. Faut penser que le plein emploi, c'est fini, justement pour toutes ces raisons précédentes. Et le plein emploi qui finit, ça a des conséquences. Ça a des conséquences dramatiques, parce que toute notre société est basée sur le fait que il faut avoir un emploi pour être intégré dans la société. Pas simplement pour vivre, mais déjà pour être intégré, pour avoir un réseau social, pour avoir de la reconnaissance dans son travail par rapport aux autres. Déjà, si on suit la pyramide de Maslow des besoins, déjà il faut travailler pour survivre. Et ensuite, il faut aussi travailler pour combler d'autres besoins, pour être satisfait dans son travail, pour avoir une reconnaissance par les autres, pour avoir de l'estime de soi, pour avoir l'impression d'avoir créé quelque chose. Et actuellement, tout passe par le plein emploi. Mais là, on est en train de se sabrer totalement. On est en train de détruire cette société si le plein emploi se termine pour toutes les raisons que je vous ai dites. Alors en Suisse, on est encore peut-être bien loti, hein. On a toujours cette image des 3% de chômage, même si je vous expliquais qu'avant que les statistiques sont faussées. Statistiques, il y a une belle phrase qui dit que c'est comme les bikinis, ça montre beaucoup de choses, mais ça cache l'essentiel. Donc si on observe ce qui se passe dans d'autres pays, ben, l'Espagne et la Grèce, c'est vraiment catastrophique. On voit que c'est un quart de la population qui est au chômage. Et si on va chez les moins de 30 ans, ça double. Donc, les moins de 30 ans, c'est encore la force du pays, c'est les jeunes, c'est aussi les gens qui créent l'avenir.
c'est aussi finalement des gens qui vont être là pour assurer que le système social qui a été mis en place il y a 70 ans fonctionne encore. C'est les jeunes qui travaillent pour payer les retraites des plus âgés. Alors, on a déjà une démographie qui va en sens inverse, où on a le baby-boom qui se transforme en papy-boom, les gens deviennent de plus en plus âgés, il y a de plus en plus de monde à la retraite, et en plus on empêche les jeunes de travailler. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus fonctionner. On doit totalement réformer la manière dont on organise le système social, changer la manière dont on finance par le travail des choses, parce que sinon, le système se casse la gueule. On est avec des dettes dans ce système, mais on a envie de remplacer les choses, qu'on puisse aussi naître avec le droit à avoir un revenu. Ce qui contrebalancerait déjà le fait qu'on est déjà avec des dettes, avec une dette publique à payer, que les générations précédentes ont bénéficié. Donc c'est toute une transformation de la société dans laquelle il faut penser, toutes ces implications qui fait que le système actuel est vraiment en faillite. Quand on regarde ce système en faillite, on se dit qu'il ne bouge pas beaucoup. Ben notamment parce que les politiques ne bougent pas. Les politiques, finalement, de la gauche à la droite de l'échiquier, tous les partis sont semblables. Tous les partis veulent la même chose. Ils veulent le plein emploi. Tous les partis sont pour l'emploi. Vous regardez les programmes politiques, c'est tous pareil. Donc on comprend pourquoi il y a aussi un désintérêt pour la politique. Il y a des gens qui ne vont plus voter parce qu'ils disent ça ne changera rien. Donc effectivement, le plein emploi, c'est le programme principal. Alors ici, je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Tout est bon pour le plein emploi. Donc on organise tout dans notre société pour garantir ce plein emploi. Là, j'ai un article de journal. Le titre, c'était Les 500 emplois en jeu ont pesé. De quoi il s'agit? C'est une histoire un peu folle quand on y pense. C'est le Conseil national neuchâtelois Laurent Favre qui avait milité au Conseil national pour que l'Union européenne ne puisse pas imposer les normes qu'elle a imposées sur les cigarettes dans l'Union européenne en Suisse. Parce que sinon, la production de cigarettes suisses, avec les effets des bilatérales, risquait de disparaître. Et il semble qu'il y a à peu près 5 000 emplois en Suisse dans la production de cigarettes. Notamment à Neuchâtel, pourquoi Laurent Favre, conseiller national neuchâtelois, qui voulait sauver Philip Morris, qui fabrique des cigarettes, et donc elles ne peuvent pas être exportées en Union européenne, parce que c'est un produit nocif, mais l'Union européenne en produit et qui trouve qu'il y a des normes, et là on va les exporter en Asie, en Afrique. Et pour garantir finalement des emplois d'une industrie qui est quand même une industrie de mort, on sait que la cigarette, ça fait des morts. Et que c'est pas forcément utile, c'est pas socialement utile de fabriquer des cigarettes. On n'en a pas besoin. Mais comme toute l'économie fonctionne avec ses emplois, qui pour la ville de Neuchâtel est vraiment quelque chose, en termes d'impôts, qui est nécessaire, sinon elle ne tourne plus, on va commencer à faire des lobbies qui défendent ces emplois-là. Parce qu'il faut défendre ses emplois, on défend ses industries, on défend tout ce qui va autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va faire venir ces entreprises. Alors, il faut savoir que justement, le canton de Neuchâtel a changé son manière de taxer les impôts. Maintenant, Philippe Maurice a justement rapatrié sa holding du canton de Zoug au canton de Neuchâtel, parce que les impôts étaient moins bien. Et avec ce système d'exonération fiscale, on fait de la promotion économique, on fait de la concurrence entre cantons, et on fait de la concurrence avec les autres pays. L'Union européenne trouve que la Suisse fait un boulot détestable parce qu'elle va démarcher des entreprises internationales. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur siège européen en Suisse parce qu'elles payent peu d'impôts. Et tout ça, c'est pour finalement amener des emplois en Suisse. Et c'est toujours l'emploi, l'emploi, l'emploi avant tout. Mais ça a des conséquences d'amener des emplois. Ça veut dire qu'on amène des gens en plus, qu'on a besoin d'infrastructures en plus. Donc souvent, on a besoin de terrain en plus. La Suisse, c'est pas déjà un pays qui a beaucoup de terrain, qui c'est assez petit et beau, très montagneux. Donc du coup, on a des bonnes plaines agricoles qui sont tout d'un coup transformées en zones industrielles pour faire venir
des usines, des emplois, des sièges internationaux, et qui, des fois aussi, viennent avec des gens de l'étranger. Ça profite pas forcément aux emplois locaux, mais souvent aussi à des emplois d'expatriés internationaux qui viennent là, avec des conditions fiscales qui font que les collectivités locales ne s'y retrouvent pas forcément parce que elles ont dû investir dans des infrastructures. Tout d'un coup, une usine consomme plus d'eau, plus d'électricité. Il faut construire des routes, il faut amener le télé-réseau. Et ça, c'est toutes des infrastructures qui sont payées par les locaux. Comme l'exonération fiscale ne compense pas forcément tout, elles y perdent un peu. Et ensuite, ben c'est juste par les impôts sur les emplois qu'on essaye de s'y retrouver. Et alors c'est là qu'on a des jeux de migration qui sont des fois un peu compliqués. On fait venir des gens, on aimerait assouplir le fait de pouvoir faire venir des gens, mais on n'a pas envie de faire venir tout le monde. Et puis, ben, les infrastructures, il faut aussi, tout d'un coup, on voit que l'arc lémanique, eh ben, les trains sont saturés, les autoroutes sont saturées, parce qu'on fait venir toujours plus de monde. Et ensuite, c'est les prix du terrain qui augmentent, c'est les gens qui en général sont bien payés, donc ils payent des logements qui sont mieux payés, et tout d'un coup, on a une escalade de prix. Donc finalement, plein emploi, tout est lié. Est-ce que les gens peuvent vivre correctement ou pas? Ça devient difficile. Et ensuite, pour pouvoir venir travailler dans ces entreprises, on observe que pour le plein emploi, eh ben, il faut s'intégrer. Et pour s'intégrer, c'est de plus en plus difficile à s'intégrer dans le marché du travail. Il y a des stages qui se développent de plus en plus. Une étude d'Adecco qui a montré que depuis 2007 jusqu'à 2014, donc, les stages ont augmenté de 40%. Il y a 40% de plus de stages qui sont proposés plutôt que d'emplois normaux. Plutôt que de vous engager, on vous engage sous un contrat de stage, ce qui permet d'éviter de vous payer beaucoup trop cher, voire même vous payer tout court. Il y a plein de jeunes qui travaillent gratuitement parce qu'ils font un stage de 6 mois dans une entreprise qui leur permettent de se faire, ils espèrent se faire une expérience professionnelle pour se faire engager plus loin. Mais on voit que suivant les branches, ça ne marche pas du tout. Dans le journalisme, par exemple, il y a des journaux qui ne tourne qu'avec des stagiaires. Et tous les 6 mois, ils changent de stagiaire. Comme ça, les gens n'ont pas le temps de réaliser totalement et de se plaindre. On joue sur le fait qu'il y a tellement peu d'emplois que ça marche tout le temps. Et du coup, les journaux deviennent de piètre qualité, exploitent les gens. Alors que si on faisait un revenu de base inconditionnel, il y a beaucoup de vrais journalistes avec une vraie vocation qui pourraient tout d'un coup refaire du journalisme d'investigation, aller débusquer, faire des enquêtes, ce que maintenant ils font plus du tout. Et c'est la mode des journaux gratuits qui vont chercher des dépêches d'agence, qui font des copier-coller et qui les remettent pour pouvoir faire un support publicitaire. Et les journaux sont devenus de plus en plus des supports publicitaires parce que finalement on gagne plus d'argent comme ça qu'avec de l'info. Et ces stages non payés, ces stages peu payés, finalement, on remarque que c'est pas efficace. Ils disaient que 60% des gens qui ont fait des stages n'ont pas eu plus de facilité à trouver des emplois après coup. C'était même eux qui avaient eu plus de difficultés. Ça montre bien que c'est en fait par branche. C'est vraiment ça dans le journalisme. Vous pouvez faire 15 stages, ça va pas aller mieux après. Il n'y a pas plus de boulot et tout le monde fait la même chose. Donc finalement, c'est une dégradation des conditions de travail de tout le monde. C'est une forme d'esclavage moderne qui vient gentiment. Et tout ça parce qu'il faut avoir un emploi. On peut aussi dire qu'il existe de l'autre côté des entreprises fictives pour occuper des chômeurs, pour leur dire, faut pas que vous perdiez l'habitude de travailler. Vous êtes au chômage depuis longtemps, et si vous n'avez pas un rythme, peut-être qu'on ne vous en emploiera plus parce que vous aurez perdu cette habitude. Mais de toute façon, il y a des gens qui ne retravailleront plus parce que c'est plus possible, le marché du travail n'est plus assez grand. Mais là, on leur fait croire qu'ils vont pouvoir travailler. Et du coup, il existe sérieusement des entreprises fictives où à la fin de la journée, tout le travail qui a été fait, on le met à la poubelle. On vous dit, votre boulot, comme ça, il vaut rien, vous bossez dans le vide. Et pour ça, on paye des gens qui, eux, ont un vrai travail pour pouvoir faire les gardiens de ces gens qui ne sont pas payés ou presque pas parce qu'ils sont au chômage. Chômage qu'ils ont cotisé eux-mêmes aussi. Et avec ça, ils n'ont même plus le droit à cotiser pour leurs propres assurances sociales, pour pouvoir faire un deuxième pilier. Ils ne peuvent plus cotiser parce qu'ils sont dans un système d'entreprise fictive.
Et ça, c'est un truc à devenir dépressif, à vouloir être dévalorisé. Donc, c'est toutes des logiques qui montrent que le système va plus. Moi, je trouve que là, c'est de la folie. On ne peut pas imaginer que des choses comme ça existent. Puis on se dit, mais pourquoi? 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 Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Hein? C'est travailler plus pour travailler plus. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Alors, tous les politiques qui, justement, se préoccupent que de plein emploi, ils n'osent plus se poser la question fondamentale de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut assurer le plein emploi? Est-ce que la politique, ça sert à ça? Ou est-ce qu'on veut assurer que chacun puisse vivre dignement, comme le demande un revenu de base inconditionnel? Donc, ça, c'est une question fondamentale, il me semble. Ça, c'est de la vraie politique. Ça, c'est une vraie question. Mais quand on voit les débats politiques, le niveau que ça a, je comprends que ça n'intéresse plus. Alors, voilà cette petite image, ici, petite bande dessinée qui nous disait « Il y a 40 ans, les futurologues avaient prédit les avancées technologiques qui nous libéreraient un jour du travail. » Et on voit le personnage qui se fait servir à boire par un robot. Effectivement, ben, c'est ce que les futurologues prévoyaient il y a une quarantaine d'années. Jeremy Rifkin, en l'occurrence, qui prévoyait que 5% des gens, des travailleurs seraient nécessaires, 5% de la population ça, au travail seraient nécessaires pour assurer tous les besoins de la société. Et ensuite, la deuxième partie de cette petite BD qui nous dit apparemment, ce jour est arrivé. Et la madame de l'Office de l'Emploi qui vous dit vos allocations sont terminées, au suivant, ping! Donc effectivement, nous sommes libérés du travail. Ça existe. Mais cette libération du travail a des conséquences. Quand on base tout sur le travail pour vivre, on ne peut plus vivre. Donc, ça coince. Et c'est là que je propose vraiment, avec un revenu de base inconditionnel, de changer les règles du jeu. Les règles qui permettent de vivre. Alors pour bien comprendre, j'ai écrit une petite fable pour un revenu de base inconditionnel, où avec une maison, une petite analogie avec une maison poussiéreuse qu'il faut dépoussiérer, j'explique comment on en est arrivé à avoir une efficacité suffisante pour arriver à ce que nos besoins soient totalement comblés. Gandhi disait que on a assez de ressources dans le monde pour assurer les besoins de chacun, mais que le monde n'a pas assez de ressources pour assurer la cupidité de ne serait-ce que quelques-uns. Et c'est vraiment ça, le revenu de base inconditionnel, il répartit toute cette abondance pour que tout le monde puisse vivre. Ensuite, c'est autre chose. Donc on découple un revenu qui permet de vivre d'un revenu qui permet de mieux vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire mieux vivre? Eh ben c'est un peu compliqué, hein. Mieux vivre, ben c'est là qu'il faut laisser la liberté. Mieux vivre, pour certains, ben c'est accumuler des objets, avoir les derniers gadgets électroniques à disposition. Et puis pour d'autres, ben c'est peut-être plutôt faire des événements avec leurs amis ou faire du développement personnel, apprendre des choses. Finalement, c'est vraiment là qu'il faut comprendre ce qu'est le revenu de base. On va découpler un revenu pour survivre vraiment et que collectivement, on vit dans une société qui est la société la plus riche du monde, dans le pays le plus riche du monde, dans la société la plus riche de l'histoire et qu'on a les moyens de cette abondance de pouvoir assurer les besoins de chacun. Et ensuite, mieux vivre. Ben c'est un choix personnel, et ça peut être assuré par un marché du travail. Un marché du travail qu'on peut totalement libéraliser. C'est un peu le combat entre la gauche et la droite. Pourquoi est-ce que la gauche se bat pour des salaires minimums, par exemple? C'est parce qu'il faut pouvoir vivre dignement. Alors effectivement, si son revenu n'est issu que de son salaire, il est logique de se battre pour que le salaire minimum existe, pour que les entreprises donnent des salaires suffisants à leurs employés pour qu'ils puissent vivre dignement.
Mais en même temps, de l'autre côté de l'échiquier politique, on nous dit que pour faire vivre l'entreprise qui, elle, permettra de subvenir aux besoins des gens, il faut que cette entreprise puisse avoir les moyens de payer. Donc, on préfère avoir une flexibilisation du marché du travail. Dire que les gens, on peut les engager ou les licencier assez rapidement. Et comme ça, on peut s'adapter au vrai marché et que c'est vraiment l'offre et la demande qui va faire qu'on engage des gens et à quel prix on les engage et pourquoi et dans les conditions. Alors il se trouve que dans un marché du travail raréfié, l'employeur a tout pouvoir. On a vu avec les stages, finalement, l'employeur peut décider et mettre des conditions qui sont un salaire misérable, voire nul, comme dans ces stages. Et les gens viennent quand même parce qu'ils espèrent avoir une expérience professionnelle. Du coup, ici, la solution, c'est contenter les deux côtés de l'échiquier politique, enfin, une fois que la gauche et la droite soient d'accord, sur autre chose que sur le plein emploi, ils devraient être d'accord sur le revenu de base inconditionnel. Le fait qu'on coupe la poire en deux, on fait un revenu pour vivre, on contente le fait que les gens à gauche qui demandent que chacun puisse vivre, qu'on doit avoir un revenu pour vivre dignement. Et les gens qui disent que pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir un marché du travail qui est libéral et flexible, on fait un deuxième parti de ce revenu qui, lui, fonctionne selon les règles d'un marché du travail libéralisé. Donc finalement, on peut concilier ces deux visions des choses qui semblent inconciliables pour beaucoup de politiciens. Donc j'invite vraiment tous les gens engagés en politique à s'intéresser aux revenus de base inconditionnels et à trouver. À moins que finalement le but de la politique, ben, ce soit de faire des politiques partisanes et puis que les gens se tapent dessus. C'est peut-être ça aussi, ben, j'ai peut-être pas compris. Le revenu de base inconditionnel, finalement, c'est une solution à énormément de problèmes. Plus on s'y intéresse, plus on trouve que dans la société, il y a de nombreux problèmes qui existent qui pourraient être résolus si on introduisait un revenu de base inconditionnel. Donc je vais essayer de vous faire un petit aperçu de ce qui peut passer. Il y a beaucoup de métiers qui, par le fait qu'ils gagnent pas, ils permettent pas de gagner beaucoup d'argent, sont des métiers qui sont en voie de disparition, qui n'existent plus. Tous les petits boulots, souvent, ben, ils permettent pas de gagner assez. On est dans une société, ben, on a besoin d'argent, donc c'est des métiers qui disparaissent. Donc, soit on est à l'aide sociale, soit on a un boulot qui nous permet de gagner beaucoup. Et entre les deux, il y a une zone grise qui disparaît. Et pourtant, il y a plein de métiers utiles qui sont là au milieu. Des métiers très utiles. Par exemple, si vous êtes apiculteur, en vous occupant d'abeilles, en vous assurant qu'elles vont bien, vous pollinisez tous les arbres, les cultures, vous assurez la survie de tout le monde. Et ça, c'est un boulot avec lequel on ne peut plus vivre. Pourtant, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier dans lequel ben, vous ne pouvez pas gagner votre vie. Donc vous pouvez le faire à côté de quelque chose d'autre. Mais du coup, ben, ça devient difficile, il y a de moins en moins d'apiculteurs, et on connaît les problèmes que toutes les abeilles qui disparaissent et autres. Et c'est aussi le problème de toute cette société qui ne répare plus. Hein. On construit des objets, quand ils sont foutus, on veut les réparer, on dit non, alors ça coûtera trop cher parce que la main-d'œuvre en Suisse coûte plus cher que de pour réparer que si vous achetez un objet neuf qui a été fabriqué en Chine à l'autre bout du monde. Donc c'est cette distorsion en fait des niveaux de salaire qui fait que dans notre société, on préfère gaspiller des objets plutôt que de les réparer. Alors qu'il y a plein de gens qui ont les compétences pour les réparer, et c'est des fois pas très compliqué. Mon collègue a réparé son écran dernièrement parce que il y a juste trois condensateurs qui ont lâché. Il suffit de faire six soudures. On voit que les condensateurs ils ont gonflé, ils ont explosé, et c'est ça. Mais bah, il a de la chance d'avoir un métier et puis de savoir le faire. S'il fallait facturer, ça coûterait plus cher que de racheter un écran. Donc, c'est le genre de trucs qui sont vraiment très bêtes. Et finalement, il y a toute une économie des réparateurs, l'économie des artisans locaux. Un cordonnier, des gens qui vont réparer les objets en tout genre, des mécaniciens,
des tailleurs, des couturiers, plein de choses, des métiers qui ont un peu disparu, qui pourraient de nouveau vivre. Ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais si c'est un boulot que vous trouvez intéressant, que vous trouvez utile, et que vous avez un revenu de base qui vous permet de vivre, vous allez certainement le faire. Et du coup, vous n'êtes plus une charge pour la société parce que vous êtes à l'aide sociale. Vous n'êtes plus non plus quelqu'un qui est obligé de faire un boulot qu'il déteste, mais parce que ce boulot gagne plus d'argent. Il y a des gens qui vivent avec très peu, mais qui vivent dans un métier qu'ils aiment. Et du coup, ils préfèrent gagner peu que faire un boulot qu'ils n'aiment pas. Et le revenu de base inconditionnel est vraiment quelque chose d'intéressant pour ce genre de métier. Et c'est des métiers qui sont souvent en faveur de valeurs un peu plus écologiques, artisanat locaux, tout ce qui est des régions périphériques aussi. Si vous avez une épicerie dans un village de 200 habitants perdus en pleine campagne où il n'y a personne, ça va être difficile. C'est pas la Migros de Zurich. Vous ne pourrez pas vivre correctement actuellement. Par contre, si vous avez un revenu de base qui vous permet de vivre dans les régions périphériques, la vie n'est pas très chère non plus. Du coup, vous faites un complément en ayant une épicerie, vous rendez service à tout le tissu local. Et avec ça, s'il y a plusieurs commerces de ce style, on arrive à recréer une vie régionale dans des régions périphériques qui se sont vidées parce qu'on a centralisé à cause de l'emploi qui, des fois, disparaît dans les grands centres urbains. Le revenu de base inconditionnel est quelque chose de très intéressant pour redynamiser les régions périphériques. Alors, il faut savoir qu'en 2007, la politique fédérale a également changé. Il existait des outils comme la loi sur les investissements de montagne et l'arrêté Boni, qui étaient des mesures d'aide aux régions périphériques, et des mesures d'aide pour des régions qui ont eu des problèmes de changement de régime d'économie. Alors par exemple, c'était l'industrie des montres dans les années 70, dans la Chaux-de-Fonds, qui a périclité. Donc la Chaux-de-Fonds, c'est une région dans laquelle ils bénéficient des deux. Et ces deux mesures de la LIM et de l'arrêté Boni ont été supprimées au profit d'une nouvelle politique régionale suisse et d'une politique d'agglomération de plus de 100 000 habitants. Donc actuellement, on favorise les agglomérations de plus de 100 000 habitants en leur fournissant de l'argent pour des fonds d'infrastructure pour pouvoir construire des RER, des autoroutes, alors qu'avant, on subventionnait des régions périphériques. Du coup, on accentue le problème avec ça depuis 2007, et finalement, on a une politique qui va à la centralisation. Un des grands centres urbains. Et avec les grands centres urbains, ben on concentre, mais on augmente le prix de la vie. Et alors que dans les régions périphériques, on pourrait vivre, mais comme il n'y a plus d'emploi, on n'y vit plus. Et il y a des gens qui font des trajets énormes, mais qui y vivent encore. Et là, ben il manque de services. Et tous ces services locaux, on pourrait les faire revenir. Alors, c'est vrai que il y a des gens qui disent, ben, par exemple, si on dessine un revenu de base à 2 500 francs par mois, ils disent, ben, à Genève, on ne peut pas vivre avec 2 500 francs par mois. Donc le revenu de base ne permet pas de vivre. Mais si vous allez habiter en Valais, au Val de Travers, au Jura, dans la région de Fribourg, dans la campagne, ben, vous pouvez largement vivre avec un revenu de 2 500 francs. Donc le revenu de base, c'est quand même quelque chose qui favorise aussi les régions périphériques. Le revenu de base, c'est aussi quelque chose qui est très bien pour les études. Alors, ce qu'on entend par études, ben, c'est les études à tout âge. On est maintenant dans une société dans laquelle on ne fait plus des études quand on est jeune et après on n'apprend plus rien. Maintenant, on fait des études à tout âge. Le monde bouge tellement, change tellement, on réapprend régulièrement des nouveaux métiers. Donc, on fait des reconversions professionnelles. Alors, ça peut être forcé ou ça peut être voulu, la reconversion professionnelle. On en a marre au bout d'un moment, on ne peut plus, comme il y a 100 ans, tourner un boulon pendant 40 ans. Au bout de 3 ans, on a un métier qui se dit, non, mais là, j'ai fait le tour, faut que je fasse autre chose. Et finalement, le revenu de base, c'est un revenu qui permet de faire ces zones de transition dans lesquelles ben, il faut peut-être refaire une école pendant 2 ans, pendant quelques mois. Vous allez tout d'un coup arrêter
votre emploi principal, vous allez avoir un revenu de base qui vous permet de vivre, changer totalement d'orientation professionnelle, et ensuite reprendre. Et là, ça se fait sans à-coup, alors qu'actuellement, ben, c'est un peu compliqué, il y a plein de gens qui sont coincés. Alors, ben, ils sont coincés des fois volontairement, ils aimeraient bien changer, mais ils ne peuvent pas. Puis des fois, ben, c'est une reconversion professionnelle forcée par suite de licenciement ou d'un accident. Si on pense à un bûcheron, au bout d'un moment, ben, il devient peut-être trop vieux ou il a eu un accident et il ne peut plus faire bûcheron. Du coup, il fait quoi? Ben, on est embêté. Et de même que les gens dans la police qui ont des métiers très actifs, ben, à 57 ans, pouvoir courir après les malfrats, c'est peut-être plus difficile. Donc du coup, il y a plein de métiers pour qui ce serait utile. Mais les études, dans le sens classique, si vous voulez faire des études universitaires, c'est, ben, il faut avoir un boulot pour bosser à côté. Avec les nouveaux accords de Bologne, les cours ont une structure un peu différente. Et il est plus dur de travailler à côté comme certains étudiants le faisaient. Donc les études deviennent aussi plus élitistes. C'est plus dur de faire des études. Donc finalement, c'est un moyen d'avoir des bourses d'études assez simplement, le revenu de base. Il est donné à chacun, donc aux étudiants aussi. C'est une manière d'assurer la formation professionnelle, d'assurer les études, d'assurer les reconversions, d'assurer tout ça d'un coup. Donc, c'est une approche vraiment intéressante de ce côté-là. Sinon, on peut aussi parler de tout ce qui est de la création artistique. Alors, de tout temps, on sait que les artistes, ben, ils ont toujours eu des soucis à être financés. Hein. On connaît qu'il y avait des mécènes. Hein. Léonard de Vinci a été financé par le roi de France. C'est pour ça qu'il est connu aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et pendant le XXe siècle, finalement, on a le système du droit d'auteur qui a été inventé, qui permet d'avoir une méthode pour rémunérer les artistes en fonction de leur travail. Ce qui n'était pas une mauvaise méthode, mais qui aussi, par des modifications techniques dans la société, par l'Internet, on partage beaucoup plus différemment et on voit que le droit d'auteur, il est mis à mal, qu'il fonctionne plus, que ben, y a aussi des abus, hein, parce que finalement, moi, j'ai toujours un peu de peine à comprendre pourquoi est-ce un artiste doit encore être soutenu financièrement 70 ans après sa mort, hein. Parce que finalement il est mort, on ne va pas tellement le soutenir en donnant l'argent à ses descendants. C'est une logique que j'ai un peu de peine à comprendre. Aussi, ça a été étendu toujours plus au fil des années. Dans les logiques des brevets aussi, certaines études qui ont été faites à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich ont montré que le monde fonctionne beaucoup plus de manière collaborative. Alors, un brevet de l'inventeur tout seul dans un coin, ça, c'est un mythe qui ne fonctionne plus. Maintenant, quand on fait un brevet, c'est souvent un travail collectif. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dedans et qui améliorent les choses. Donc finalement, c'est un système où le premier empoche tout. Pendant 20 ans, il a les royalties sur le brevet et après, plus rien. Et les suivants, ben, ils ont rien. Ils ont tout perdu. Alors que peut-être que le deuxième, il avait une solution à peine différente ou qu'il aurait pu améliorer. Et ils auraient pu faire ce que certains contournent en fait, ils font des entreprises conjointes et joint venture pour détenir les brevets, et tout le monde collabore à l'intérieur de ce système. Donc le système des brevets est aussi bien remis en cause par cette société de l'information, le système des droits d'auteur est remis en cause, et on pourrait carrément les supprimer. Et si on supprime ça, ben c'est pas grave, avec un revenu de base, on a de quoi financer la création artistique. Des gens peuvent vivre de leur art. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Ça, c'est quasiment jamais vu. Du coup, il y a plein d'aides qui sont des aides étatiques ou des aides de fondation qui, finalement, bah, peuvent servir à d'autres choses. Si des gens ont un revenu pour vivre, ben, ils pourront faire de la musique. Et finalement, tout le monde aime la musique. Hein. C'est quelque chose. Tout le monde aime aller au cinéma. Tout le monde aime écouter de la musique. Et finalement, les artistes, on les déconsidère aussi. Alors que là, ben, chacun est en soi un artiste. D'ailleurs, avant, je parlais d'artisan, c'est la même racine. Le mot artiste, le mot artisan, c'est un savoir-faire qu'on transmet ce qu'on est, on aime créer, on aime montrer ce qu'on a créé. Et je pense qu'une société qui serait plus artistique aussi,
qui permettrait plus ce genre de choses, ce serait aussi une société dans laquelle il ferait peut-être meilleur vivre que dans laquelle on a un job juste parce qu'il faut avoir un job, même s'il est inutile, même s'il sert à rien. Et un grand point qui, j'espère, pourra intéresser les partis politiques, peut-être plus de droite, c'est la création d'entreprises. La création d'entreprises, c'est toujours une entreprise très compliquée, parce que finalement, c'est un risque que vous prenez. On peut avoir un emploi stable et puis se dire j'ai envie de faire quelque chose, mais ouh là 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 là, je sens que là je vais perdre mon emploi stable, j'ai besoin de temps pour créer ma propre entreprise, et puis ben, c'est un énorme risque et je vais pas me lancer. Il y a beaucoup de gens qui auraient envie de faire quelque chose mais qui ne se lancent pas là-dedans parce que c'est un trop grand risque. Tandis qu'avec un revenu de base, on a un revenu assuré, on peut se lancer dans la création d'une entreprise, on sait qu'on pourra toujours vivre avec ça. Et du coup, l'entrepreneuriat devient quelque chose de facile. Chacun a des envies, chacun pourrait se créer son propre métier. Et ça rejoint beaucoup ce que je parlais au début, de créer de l'artisanat local, de créer de l'artisanat dans le domaine de la réparation, dans l'agriculture locale, dans la permaculture peut-être. Toutes ces transformations de société qu'on a besoin pour une transition écologique aussi. Et finalement, le revenu de base va beaucoup aussi dans le financement de cette transition. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et de se dire que les premières années, l'entreprise, c'est difficile à faire vivre, mais elle peut être très rentable après coup. Et elle peut même créer de l'emploi. Donc finalement, ce que j'aime bien dire, c'est que le revenu de base, ça va créer des emplois grâce à cette méthode de l'entrepreneuriat. Alors, ça résout plusieurs problèmes et en même temps, ça favorise aussi beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas forcément favorisées jusqu'à présent. Il y a eu une votation au mois de novembre 2013 à propos de la manière dont on a envie d'éduquer les enfants, dont on a envie de quel système favoriser. Est-ce qu'on voulait, par un niveau fiscal, faire des incitations à ce que les parents fassent l'éducation de leurs enfants à la maison. On a des incitations fiscales pour les parents qui mettent leurs enfants dans une crèche. Et du coup, certains ont senti une sorte d'injustice parce qu'on force un système plutôt qu'un autre. Et il y a eu une votation où finalement le principe a divisé beaucoup de gens et l'outil n'était pas adapté, il favorisait beaucoup les personnes qui avaient déjà des hauts revenus. Mais c'est une question assez fondamentale. Finalement, on touche aussi l'égalité homme-femme, l'éducation des enfants, comment elle se passe dans la société traditionnelle, c'est que la femme reste à la maison, s'occupe des enfants, et un salaire suffisait il y a 50 ans pour faire vivre une famille. Actuellement, ben, lors de cette fameuse votation, j'ai vu le Parti socialiste disait qu'il fallait 1,6 salaire pour faire vivre une famille. Alors je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais effectivement, actuellement, il est difficile de faire vivre une famille avec un seul salaire. Il en faut deux pour faire vivre une famille. Au moins un temps partiel, c'est plus que un. Du coup, l'égalité homme-femme, c'est bien, mais du coup, le système a aussi récupéré une partie de cette égalité pour faire travailler deux fois plus de monde. Et du coup, ça se reporte sur la société aussi, parce qu'on a les crèches, les places de crèches ces dernières années se sont développées monstrueusement, elles explosent les budgets des communes qui doivent aussi s'occuper de ça, des structures d'accueil pour pouvoir accueillir à complet, mais aussi à temps partiel, pour des cantines, et tout un système qui finalement coûte cher à la collectivité. Une place de crèche. Une étude qui a été faite dans le canton de Vaud et dans le canton de Zurich sont arrivées à la conclusion que ça coûte une place de crèche 24 500 francs par année en toute. Et ensuite, ce coût-là est réparti entre la collectivité et les parents. Et ce coût, bah souvent on estime que c'est 10 à 15% qui est payé par les parents et le reste c'est la collectivité publique. Donc c'est finalement aussi des impôts qui vont venir, qui vont aussi gangréner les budgets. Et qui... Alors que si on avait un revenu de base, bah finalement si on part du principe que c'est 2 500 francs par mois par personne, sur le modèle d'une année, on arrive à 30 000 francs.
30 000 francs ou 29 500 francs, on peut se dire que c'est équivalent. On arrive à une solution où le revenu de base permet finalement de choisir si, avec le même argent, on veut rester à la maison, s'occuper de ses enfants, les éduquer soi-même, ou si on a envie d'avoir un revenu d'une activité extérieure pour avoir plus d'argent, pour avoir travaillé à l'extérieur. Justement, les femmes ont aussi revendiqué de pouvoir travailler à l'extérieur, de s'épanouir dans une carrière professionnelle. C'est aussi possible, en mettant ses enfants dans une crèche, le revenu de base inconditionnel laisse une liberté totale de choix là-dedans. Et probablement que la meilleure solution, ce serait peut-être un mix entre les deux, de pouvoir mettre ses enfants dans une crèche à un moment, qu'ils soient socialisés et qu'on puisse avoir une activité extérieure, et en même temps aussi de pouvoir s'en occuper une partie du temps. Le revenu de base inconditionnel permet vraiment une flexibilité totale. C'est un moyen de choisir le moyen qu'on veut éduquer et pas de se faire des combats entre le modèle traditionnel ou le modèle j'ai envie de travailler, d'avoir une carrière professionnelle. On n'arrivera pas à concilier tout le monde, mais cette solution du revenu de base permet de concilier tout le monde. Là, on parle d'un moyen qui permet d'aider des enfants, mais on peut aussi parler des aînés. De savoir qu'une personne qui ne peut plus faire ses repas, si vous travaillez à 100%, vous aurez un peu de peine à vous en occuper, puis à faire les repas pour vos parents qui sont âgés. Mais peut-être que si vous pouvez baisser vos temps de travail un petit peu en ayant un revenu de base inconditionnel, vous pourrez vous occuper des aînés. Et il y a aussi beaucoup de bénévoles qui agissent déjà dans ce sens-là, et le revenu de base est aussi un moyen de reconnaître ce travail bénévole qui est fait et de l'encourager. Parce que dans une société où il est de plus en plus dur de faire vivre une famille avec un salaire, on passe à deux salaires, un salaire et quelques, finalement on fait travailler plus de monde dans les structures rémunérées et tout le travail bénévole disparaît gentiment. C'est des vocations, toutes les associations disent que gentiment il y a de moins en moins de gens qui s'engagent bénévolement, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de travailler à l'extérieur. Donc, autant pour les aînés que pour d'autres travaux bénévoles, c'est le revenu de base une solution qui est intéressante. Et en général, quand on a un travail bénévole, c'est que c'est quelque chose pour lequel les gens sont motivés, c'est souvent un travail qui est utile et pas un travail qui est juste un job parce que le plein emploi existe et qu'on doit travailler. Et que ça peut être un boulot qui détruit, un job qui détruit, alors que le bénévolat, c'est assez rare des bénévoles qui détruisent. En fait, c'est souvent il y a une utilité sociale beaucoup plus grande dans ces métiers-là. Alors, ensuite, on peut penser que le travail domestique, il est tout à fait valorisé. Le travail domestique, c'est même ce qui permet d'avoir un travail rémunéré à l'extérieur. Qui vous fait la lessive? Qui vous fait les repas? Ce sont des choses fondamentales. Finalement, le travail domestique, s'il est fait à la maison, il est fondamental et il est souvent très mal reconnu. Donc, c'est une manière de le valoriser. Je parlais aussi des journalistes qui peuvent faire du journalisme d'investigation, mais on peut aussi parler des scientifiques. Les scientifiques sont aussi de plus en plus pris à la gorge par l'argent, par le fait que les recherches sont de plus en plus payées par des entreprises. On voit de plus en plus, notamment à l'EPFL, il y a eu dernièrement des discussions sur le fait que Nestlé soit impliqué dans les décisions du choix des professeurs qui sont dans certaines chaires, qui sont subventionnés par des grandes entreprises. Et on observe aussi que les entreprises sont de plus en plus présentes dans le milieu académique. Donc on peut se poser la question, est-ce que le milieu académique ne serait pas un peu corrompu par les besoins des entreprises? Finalement, une entreprise qui va faire un boulot, elle va financer uniquement ce qui l'intéresse. On va financer les recherches sur les OGM pour une entreprise qui fait des OGM. On va pas financer des recherches ce qui dit que les OGM, c'est pas bien. Donc, il y a une liberté là au milieu qui me semble de plus en plus compromise. Et
Là, je pense que le revenu de base inconditionnel, c'est une grande liberté qui permet à des chercheurs de devenir totalement autonomes et d'assurer leur survie tout en faisant leurs recherches qui sont tout à fait alternatives. À mon avis, ça élargit énormément le champ des recherches possibles et je pense que c'est tout bénéfice pour la société en entier. On observe que souvent, quand on laisse les gens libres, ils vont dans des endroits dont on n'a jamais imaginé. Et si on pense, la recherche fondamentale, c'était nécessaire et qu'on donne cette recherche fondamentale, le web, il a été créé par des scientifiques qui faisaient de la recherche fondamentale au CERN. Et le web, maintenant, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer. C'est juste pour que les scientifiques puissent échanger. Et comme ils avaient un financement assuré, ils n'ont pas voulu gagner de l'argent sur le protocole du web, mais ils l'ont ouvert au vaste monde. Et du coup, le web existe. Ils ont fait des logiciels libres, des logiciels libres dont on connaît le code source, dont on peut les échanger avec d'autres. Et toutes ces choses-là, finalement, ce sont aussi des ressources communes qui permettent à toute une économie de se construire par-dessus et à d'autres de gagner de l'argent. Donc il faut toujours penser que on favorise des logiques qui favorisent aussi des logiques plus commerciales par-dessus. En fournissant un revenu de base, on fournit aussi des services de base et des outils de base. Internet fonctionne grâce aux logiciels libres. Et les gens qui travaillent sur les logiciels libres sont aussi des gens qui travaillent bénévolement souvent. Alors si on peut rémunérer des gens, il y a plus de monde qui fait des logiciels libres, il y a plus de monde qui pourront les partager. Et ainsi, on a aussi des infrastructures qui sont de plus en plus intéressante pour tout le monde, pour pouvoir construire des commerces par-dessus. Et on pouvoir construire des biens communs. Wikipédia est un outil génial, c'est un outil de bien commun, d'information entre tout. Et il faut du temps pour pouvoir mettre à jour ces informations-là. Et c'est peut-être tout d'un coup, on a un système qui finance la télévision. On a une redevance radio-télévision pour financer l'information sur la télévision. Et pourquoi on n'a pas de système qui finance Wikipédia, qui veut dire on peut financer des gens. Moi, j'observe beaucoup plus souvent Wikipédia que la télévision. J'ai pas de télévision. Donc, moi, c'est une source d'information que je trouve bien, que j'ai envie de favoriser. Le revenu de base inconditionnel permet de favoriser tous ces créateurs, tous les gens qui font des vidéos, qui mettent sur YouTube, qui expliquent des choses, des cours divers et variés pour apprendre. Il y a énormément de champs des possibles qui sont dans ce domaine et plus on va creuser, plus on en trouve. Alors, je vous invite à essayer d'imaginer ce qu'un revenu de base inconditionnel pourrait changer dans cette société et vers quoi on peut aller si on a un revenu assuré. Alors, tout ça, c'est bien joli. On voit qu'un revenu de base inconditionnel résout beaucoup de problèmes, est très intéressant, va vers une progression de la société qui va dans le bon sens, à mon avis. Mais est-ce que ça marche? Il y a plein de gens qui disent oui, c'est bien beau ton idée, mais là, est-ce que c'est réaliste? C'est que ça marche? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de le tester. Et on a de la chance, il y a déjà de nombreuses expériences qui ont été faites un peu partout dans le monde qui montrent que ça marche. En tout cas, toutes ces expériences n'ont pas montré d'effets négatifs, elles ont plutôt montré plein d'effets positifs, qu'on verra tout à l'heure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pays pauvres dans lesquels ça a été fait, comme en Inde, en Namibie, là c'est vraiment plus facile, hein, on finance 3 dollars par mois, puis c'est bon, vous avez fait un revenu de base mensuel pour quelqu'un, et on a observé que des points positifs dans un endroit pour l'extrême pauvreté. On va après savoir, est-ce que ça marche aussi dans des pays plus semblables aux nôtres, comme le. Ben oui, au Canada, aux USA, c'est des choses qui se sont faites et on voit que ça fonctionne. Il y a eu des expériences avec des effets positifs. Et puis, on peut observer, particularité de l'Iran, c'est que depuis 2010, il y a un revenu de base qui a été instauré. Donc ce n'est plus une expérience, c'est vraiment la création d'un revenu de base pour toute la population. 77 millions d'habitants. Alors, on peut aussi observer qu'au Brésil, c'est en train de se faire parce que depuis 2003, il y a un programme Bolsa Familia qui vise à instaurer un revenu de base inconditionnel. Alors là, ils le font progressivement, en commençant par les couches les plus pauvres qui en ont vraiment besoin et ensuite on va plus loin. Alors, observons, qu'est-ce qui se passe quand on introduit un revenu de base inconditionnel?
On observe que la criminalité baisse. Ben forcément, les gens qui ont vraiment besoin de criminalité pour vivre, ils ne le font plus. Mais on observe aussi que la durée d'études augmente, que c'est bon pour la santé, parce que l'hospitalisation diminue. Au Canada, des expériences ont montré que moins 8,5% d'hospitalisation pendant les 4 ans qu'ont duré l'expérience là-bas, dans les villes où ça a été fait. Et pourquoi? Moins de maladies psychiques, moins d'accidents du travail, et, chose étonnante, moins de violences conjugales, ou d'effets de violences conjugales, parce que souvent, dans le même temps, on a observé une augmentation du nombre de divorces, parce que les gens qui se tapent dessus, eh ben, ils se séparent. C'est une conséquence assez inattendue, mais bon, ben, ça fait une meilleure santé quand même pour ces gens-là. Et ce qu'on observe, ce que j'essayais d'expliquer avant, c'est que l'esprit d'entreprise se développe. Les gens créent leur propre travail. Et ça, c'est assez fondamental. On a souvent, comme premier abord, l'idée de dire, si on va donner un revenu de base, les gens vont rien faire, ils vont se mettre à boire. Ça, c'est ce qu'en Inde, il y a toujours des gens qui disent, on ne veut pas instaurer ça parce que si on donne l'argent, ils vont acheter de l'alcool. Et non, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment l'esprit d'entreprise. Si on donne l'argent aux gens, ils se créent leur propre emploi. Alors en Inde ou en Namibie, les gens, ben, ils achetaient des poules, ils vendaient des œufs, ou ils achetaient un four à pain, ils faisaient du pain, ils faisaient une boulangerie. Et avec ça, ils se sortent de la pauvreté. Mais on peut tout à fait mettre ça avec la Suisse, et on peut créer une entreprise plus facilement. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que la nutrition et l'hygiène s'améliorent. Alors forcément, il y a des gens qui se sont mis à améliorer leur maison, à avoir de l'eau potable. Bon, alors c'est vrai qu'en Suisse, on peut se dire que c'est un peu inutile. Mais par exemple, les frais de dentiste, qui ne sont pas forcément pris par des assurances, ça coûte très cher. Et on fait de la santé préventive plus facilement. L'eau, c'est de la santé préventive. On améliore sa maison parce qu'on a de l'argent tout d'un coup pour le faire, alors qu'avant, on n'aurait peut-être pas pu le faire. On a été pris par d'autres dépenses. Donc ça, c'est des grandes constantes qu'on trouve partout. Donc on peut se dire que c'est vraiment quelque chose qui va aussi arriver chez nous, peu importe les différences entre les pays. Aux États-Unis, ce qu'ils avaient vraiment voulu observer, comme au Canada, donc dans des pays vraiment semblables aux nôtres, ils voulaient savoir si on donne un revenu assuré à chacun, est-ce que les gens vont arrêter de travailler? Alors sur les 4 ans où ça a été fait, à différentes périodes, de différentes manières, on a observé que les gens diminuent leur temps de travail. Oui. De 2 semaines par an pour les hommes, de 3 semaines par an pour les femmes. Et pourquoi est-ce qu'elles diminuaient? C'est parce qu'elles avaient envie de s'occuper de leurs enfants un peu plus. 4 semaines pour les jeunes. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, les études ont augmenté. Donc l'âge du premier travail est arrivé plus tard, et les gens travaillaient moins, mais c'était pour faire des études. Donc finalement, on voit que les gens continuent de travailler, et ils diminuent un tout petit peu. Il faut bien avoir en tête ce que je disais au début, c'est que la productivité, les revenus d'un travail ne sont pas forcément liés au temps de travail. Donc si vous diminuez le temps de travail, ça ne veut pas dire que vous diminuez la productivité. Et ça veut peut-être dire que vous augmentez les conditions de travail. Elles vont être meilleures et du coup les gens vont peut-être travailler mieux. C'est assez connu que les gens qui travaillent à temps partiel, ils en font toujours un petit peu plus, alors que les gens à 100%, ben, ils sont déjà épuisés, alors ils vont pas en faire autant. Donc c'est pas mauvais de faire diminuer le temps de travail. Et là, c'est dans des ordres de grandeur qui sont tout à fait acceptables pour notre société actuelle. Donc on peut tout à fait se dire que ce modèle peut être appliqué à notre société, vu que c'est au Canada et aux USA. Donc les gens vont continuer de travailler. Tout va bien. La motivation au travail n'est pas que financière. C'est vrai que sinon, on peut se dire, pourquoi est-ce que les milliardaires continuent de travailler? Ils ont des projets, ils s'investissent. Ça, c'est encore une histoire de la pyramide de Maslow. On a des besoins qui ne sont pas que des besoins de survie, et au-delà de ça, on a des nouveaux besoins qui arrivent. On a envie d'être créatif, on a envie d'avoir de l'estime de soi-même par rapport aux autres. On a envie d'être utile.
Malgré tout ça, chaque fois que je parle de revenu de base inconditionnel, il y a toujours les gens qui me posent des questions, qui me disent ça va marcher. Alors la paresse, on vient de voir que c'est pas une objection que je trouve valable. Et il y en a encore d'autres. On va faire une petite liste. Alors les principales qui reviennent tout le temps, maintenant je peux vraiment faire le top 10 des principales objections au revenu de base. C'est aussi qui fera les sales boulots. Mais alors tout le monde va venir en Suisse si on a un revenu de base en Suisse et pas ailleurs. Mais alors, c'est nier le droit au travail. On a les lois qui nous disent qu'on a le droit au travail. Là, on le nie. Puis la principale qui revient tout le temps, elle dit, c'est bien beau tout ça, mais comment on finance un revenu de base? Donc, je vais tenter de répondre à toutes ces questions, les objections courantes. Prenons la première. Qui fera le sale boulot? Ça, c'est vraiment un truc qui revient régulièrement. Oui, mais alors, tous ces éboueurs, plus personne ne voudra faire ça. Alors là, en fait, suivant les différentes valeurs des gens, on peut utiliser différents moyens. Et celui qui revient très vite, c'est en fait automatiser. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème de revenu de base inconditionnel qui devient nécessaire parce qu'il y a de moins en moins d'emplois? C'est parce qu'il y a l'automatisation. Eh bien, justement, utilisons cette automatisation pour remplacer des boulots qu'actuellement on ne prend pas le temps de remplacer. Les éboueurs, on n'a pas besoin de deux personnes derrière un camion pour ramasser des poubelles. De plus en plus, on a des camions qui font ça automatiquement. On a des systèmes avec des molochs. On peut faire de manière automatique. Et puis si on ne peut pas, ben au pire, les gens qui ont une vision un peu communautariste, c'est plutôt de faire un service civil de nettoyage du quartier. On peut l'imaginer, mais ce sera probablement pas ça. Ce sera plutôt l'offre et la demande. L'offre et la demande, ben, ça fera que ces métiers-là que personne ne veut faire, ben, ils seront payés plus que d'autres. Et finalement, ce sera peut-être pas plus mal qu'ils soient aussi reconnus. Alors, on peut aussi se dire que c'est une question de responsabilité personnelle. Chez moi, j'ai pas de femme de ménage, hein. Je fais le ménage moi-même. Et je le fais quand même si c'est quelque chose que je n'aime pas tellement. Au bout d'un moment, quand ça devient trop sale, je me dis, là, il faut quand même que je fasse la lessive, il faut quand même que je fasse le ménage, il faut que je fasse la vaisselle. Mais c'est parce que j'aime boire dans des verres qui sont propres, que plutôt dans des verres sales, ça ne me plaît pas. Donc, je me force un peu à faire, mais je fais. Donc, si chacun est responsable d'une partie, on arrivera certainement à faire que tout tourne correctement. Et puis la question fondamentale à se poser là-dedans, c'est qu'est-ce qu'un sale boulot? On est tous différents, on a tous des envies différentes. Pour moi, un sale boulot, ce sera pas le même que pour toi, un sale boulot. Hein? Il y a des gens qui aiment travailler dehors et ils se voient pas du tout travailler dedans. Il y a des gens pour qui c'est le contraire. Et il y a des gens qui ont envie d'un boulot qui soit intellectuel, qui les stimule. Il y a des gens qui disent, ouh, alors moi c'est machin d'études, là, moi je préfère balayer, ça me va bien, parce que j'ai rien besoin de réfléchir, je croise des gens, c'est sympa. Et on est tous différents, donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. Et le revenu de base, ben, il laisse une grande liberté à ça, et ça va fonctionner. À la question de tout le monde va venir en Suisse. Mais vous croyez pas déjà que c'est pas un petit peu le cas? On n'est pas déjà le pays le plus enviable du monde? On n'a pas déjà la planète entière qui aimerait venir chez nous? Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce qu'il y a vraiment plus de monde qui va venir encore? On a déjà des lois sur l'immigration qui sont tellement restrictives que je crois pas qu'on aura beaucoup de monde qui pourront franchir les barrières de nos frontières. Puis en plus, on peut imaginer que on peut mettre un délai, peut-être un délai de carence pendant 5 ans. Vous pouvez être en Suisse, mais sans recevoir un revenu de base. Du coup, ça va peut-être limiter un peu. Et puis finalement, la manière la plus intelligente de faire, c'est que tout le monde ait un revenu de base, partout dans le monde. Alors, on a déjà vu qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont instauré. Les Iraniens, vous croyez pas qu'ils vont plutôt préférer rester chez eux que venir chez nous, s'ils ont déjà un revenu de base là-bas, puis qu'ici, d'être déracinés et puis ne pas l'avoir? Non. Si chacun a un revenu de base chez soi, c'est mieux. Et c'est ce que l'association Basic Income Earth Network fait depuis déjà une trentaine d'années, c'est de militer pour un revenu de base inconditionnel partout. Et il faut savoir qu'il y a eu une initiative européenne qui a été lancée. C'est pas tout à fait la même chose qu'en Suisse,
c'est moins efficace, mais elle a été lancée, elle a fait pendant une année, elle n'a pas fonctionné, elle a échoué, parce que c'est tout neuf, c'est un outil qui est encore très peu connu, les gens disaient, il faut signer, il faut que je donne tout mon pédigré là-dessus, ça me fait un peu peur, vous allez faire quoi des données? Alors qu'en Suisse, les gens ont l'habitude de signer des trucs dans la rue, comme ça. Et elle a quand même eu pour effet de créer un mouvement pour le revenu de base inconditionnel en Europe et de créer des antennes dans tous les pays européens. Et maintenant, il y a une organisation qui milite pour un revenu de base inconditionnel. Il y a des parlementaires européens qui sont pour un revenu de base inconditionnel et l'Europe en discute aussi. Donc c'est des choses maintenant qui finalement fédèrent dans le monde entier. Il y a des gens qui parlent de revenu de base inconditionnel. On voit que c'est un phénomène de société globale. La financiarisation de la société, de notre économie, c'est mondial. L'automatisation, c'est mondial. Tout le monde a les mêmes problèmes. Donc c'est logique que ça arrive partout. Donc la Suisse ne sera peut-être pas le seul pays au monde à avoir un revenu de base, ce qui n'est déjà pas le cas vu que l'Iran l'a. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas plus d'immigration. Alors, dans le milieu surtout des syndicalistes, j'entends ça, mais c'est nier le droit au travail, on a droit à travailler. Là, quelqu'un m'a dit une fois que c'était un aveu d'échec de se dire qu'on allait trouver le moyen différent de se dire qu'on allait se battre pour que tout le monde ait du travail. Non, 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 on fait un revenu de base pour avouer qu'on a échoué dans le fait qu'on n'a pas réussi à faire que tout le monde ait du travail. Bon, il me semble qu'on peut retourner la question dans l'autre sens. Qui est en train de nier le droit au travail? Le travail, on en a. Toutes les associations disent « Venez chez nous, on a plein de choses à faire. » Le travail domestique, on l'a, chacun chez soi fait du travail. Est-ce que seul le travail rémunéré a droit à une considération ou tous les autres travaux sont aussi intéressants? Il y a même une étude des Nations Unies qui a été faite il y a une dizaine d'années, en 2004, qui montrait que les Suisses passent 20% de plus de temps à faire du travail qui n'était pas rémunéré que du travail rémunéré. Le bénévolat, c'est du travail. Travail domestique à la maison, c'est du travail. Et comme je le disais avant, ça permet aussi d'avoir des bases qui permettent d'avoir un revenu supplémentaire d'un travail rémunéré. Donc, nier le droit au travail, je crois que le revenu de base ne nie pas du tout le droit, hein, au travail. Et finalement, le bénévolat, il est socialement beaucoup plus utile, même s'il n'est pas rémunéré, qu'un boulot rémunéré, comme être trader sur des matières premières. Faire tripler les prix des matières dont on a besoin pour manger, est-ce que c'est vraiment un boulot qu'il faut faire perdurer? Moi, c'est plutôt ce genre de boulot que j'ai envie de faire disparaître et plutôt favoriser le bénévolat. Maintenant, la grande question, le financement. Alors, on arrive, on est dans une société où il y a de l'argent, on a besoin de tout financer. Alors, je n'ai qu'une chose à dire. D'entrée directe, que ce soit clair, le financement d'un revenu de base inconditionnel est possible. Comment on peut le savoir? C'est tout simple. On doit d'abord savoir qu'est-ce que coûte un revenu de base inconditionnel. J'ai dit qu'il fallait que ce soit un revenu digne, qu'on se base sur les normes de l'AXIAS. On peut se dire que si on a envie de faire un revenu de base inconditionnel de 2 500 francs par mois par adulte, sachant que les enfants auront certainement la moitié ou le quart, on arrive à un montant qui tourne autour des 200 milliards de francs par an pour le peuple suisse. C'est énorme, effectivement. Mais il faut mettre ça en relation par rapport à ce que ça nous coûte par rapport aux revenus qu'on a. Quels sont les revenus du peuple suisse en une année? On a un indicateur pour ça qui s'appelle le produit intérieur brut, le PIB. Il vaut ce qu'il vaut, hein, parce que il n'est pas parfait. Souvent, les destructions sont comptées comme des trucs positifs. Si vous brûlez du pétrole, c'est positif. Si vous faites des accidents, c'est positif. Alors que l'école, c'est pas compté comme quelque chose de positif parce que c'est un service public. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, on peut se dire que ça comptabilise assez bien tous les revenus qui passent. Et on a un produit intérieur brut, un produit national brut, si on prend en compte les revenus qui viennent de l'étranger aussi. On fait la moyenne des deux, on arrive à 600 milliards. Le peuple suisse a un revenu de 600 milliards, un revenu de base inconditionnel coûte 200 milliards.
Donc, avec un tiers des revenus, il est possible de faire le financement. Donc, c'est possible. Uniquement le tiers du revenu. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on sait que c'est finançable. On ne va pas faire un truc qui demande plus. On n'a pas besoin. Ça marche. Maintenant, cet argent, bien, il est très mal réparti. Il faut trouver un moyen pour le faire venir. Ça, c'est la question suivante. Mais on sait déjà que c'est possible. Donc, c'est déjà rien qu'un choix politique. On va se poser la question du principe. Est-ce que vous voulez un revenu de base inconditionnel? Oui ou non? On sait que le financement est possible. Est-ce que vous pensez que chaque Suisse, actuellement, il a un tiers de son revenu qui lui suffit pour vivre et il garde les deux tiers comme argent de poche? C'est ce que pourrait faire la Suisse avec un revenu de base inconditionnel. Donc on est déjà très loin de ça et je pense que tous les ménages en Suisse n'arrivent pas. Il semble même qu'un quart des ménages n'ont plus du tout d'argent après avoir payé toutes les factures vraiment nécessaires, non plus, ils ne peuvent plus faire d'économies. Alors qu'avant, les Suisses faisaient des économies, ils faisaient la thésaurisation, ils avaient des réserves sur les comptes en banque. Maintenant, ça n'existe plus, c'est vraiment quelque chose. Un quart de la population n'a même plus d'argent à la fin du mois. Rien. Donc là, ben, ce serait déjà un énorme progrès. Donc comment on va faire pour répartir, pour trouver une manière qui est intégrée dans la société actuelle, qui soit simple, pour aller chercher cet argent et l'affecter au revenu de base inconditionnel? Alors maintenant, on est à l'étape de l'initiative. L'initiative ne définit pas un moyen. L'initiative, on doit se baser sur est-ce qu'on veut le principe, oui ou non. Mais évidemment qu'on est obligé quand même de proposer des manières de faire pour que l'idée puisse évoluer, pour qu'on sache si c'est faisable ou pas. Il y a trois modèles qui sont un peu mis en avant. On parle du modèle de la répartition tripartite de la valeur ajoutée nette des entreprises. On parle de remplacer l'impôt sur le revenu par une taxe à la consommation. C'est ce qu'on voit dans le film sur le revenu de base que peut-être vous avez vu. C'est la thèse du latte macchiato. Ou alors, peut-être que la réappropriation par le peuple de l'avantage que confère la création monétaire serait également une solution. Donc ces trois modèles, il faut déjà comprendre que dans tous les cas, un revenu de base, il a déjà des choses qui remplacent. Donc il y a déjà de l'argent qu'on peut récupérer sur des prestations que le revenu de base va reprendre à son compte. Donc ça, c'est déjà actuel, donc c'est déjà financé. Et là, on peut se dire que c'est de l'ordre de 60 à 70 milliards. On va prendre la fourchette la plus basse. Économie suisse a essayé de faire des calculs, et c'est des opposants au revenu de base, donc on peut se dire qu'ils ont pris la fourchette la plus basse, 60 milliards, donc 60 milliards, tout le monde est d'accord, le revenu de base va remplacer l'aide sociale, il va remplacer l'AVS, il va remplacer l'AI, il va remplacer les bourses d'études. Mais attention, jusqu'à concurrence de son montant, c'est-à-dire que si vous recevez une AVS plus grande que 2500 francs, parce que vous avez des prestations complémentaires particulières, ou que vous avez un handicap particulier, que vous êtes à l'AI, et que vous avez besoin de plus de 2500 francs, vous avez des prestations qui sont plus élevées. Donc on ne va pas supprimer ceci, on va les garder, les prestations complémentaires qui permettent d'avoir plus. Mais toute la base, on peut déjà l'attribuer au revenu de base. Ici, le but, c'est que personne n'y perde rien. Mais en même temps, là, on a des prestations, ben, toute l'inconditionnalité fait que l'administration, on n'aura pas besoin d'autant de fonctionnaires qui devront vérifier tous ces dossiers. Donc c'est aussi des coûts qui disparaissent, qui ne sont pas tout à fait comptabilisés là-dedans, parce que c'est difficile à dire si les employés font, dans quelle proportion ils font des choses. On en a regardé juste les prestations. Ensuite, il y a des prestations que le revenu de base ne remplace pas. L'assurance maladie ne les remplace pas. L'assurance chômage, ça c'est discutable, parce que l'assurance chômage, finalement, elle assure qu'on puisse vivre, mais elle assure aussi un salaire à un certain montant.
Donc on peut découpler, on peut se dire que la base qui permet de vivre pourrait être attribuée au revenu de base, tandis que assurer un salaire plus élevé, si j'ai envie d'assurer que mon salaire à 10 000 francs puis que je reçoive le 80%, eh bien, que je reçoive au moins 8 000 francs quand je suis au chômage, je peux le faire. C'est plus élevé que 2 500 francs. Donc, c'est une assurance privée que vous pouvez contracter ou non. Donc, c'est un peu ça le principe de base. Et là, on a déjà 60 milliards sur les 200 dont on a besoin. Donc, il suffit de trouver le reste. Ça passe déjà plus vite. Donc, tous ces modèles suivants, ils ont une seule et même idée. Il faut remettre l'humain au cœur de l'économie. C'est l'humain qui est important. C'est vivre et pas assurer le plein emploi. C'est l'humain qu'on veut favoriser. C'est l'humain et pas le travail des machines, pas le travail de l'argent. C'est pas l'économie financière. Donc finalement, on va aller rechercher de l'argent qui vient de cette automatisation et de cette financiarisation de l'économie pour financer le revenu de base pour les humains. C'est ce qui est le plus juste. Donc il se trouve que on peut montrer un peu quel est le bénéfice que les entreprises ont et comment il a évolué ces dernières années. Alors j'ai fait un petit schéma qui vaut ce qui vaut parce que les proportions, elles sont très indicatives. Mais traditionnellement, on a un gâteau qui était partagé entre les gens qui ont investi dans les moyens de production. C'est vraiment de l'économie industrielle, vous avez besoin de moyens de production, ça coûte cher, il faut du capital, c'est l'économie capitaliste. On va rémunérer ce capital. Mais on a besoin de force de travail, on a besoin d'employés, on a besoin de salariés. Et donc les salaires sont aussi ben, la répartition du bénéfice de l'entreprise. Et c'est en ces deux choses, le capital et la force de travail, que sont réparties cette valeur ajoutée de la productivité. Et ensuite, pour toutes les raisons que j'expliquais, automatisation, la rationalisation, le fait qu'on donne aux clients des choses à faire aussi, on a augmenté la productivité des entreprises. Il semble que dans ces 10, 15 dernières, 10 dernières années, le commerce de détail a augmenté de 23% sa productivité. Mais alors, on peut représenter ça par le gâteau a augmenté. Donc le gâteau a augmenté, mais en fait, on a de moins en moins d'employés dans le même temps. La masse salariale, elle a un petit peu augmenté, parce que les syndicalistes ont bien fait leur boulot, mais elle n'a pas augmenté autant que la rémunération du capital. Finalement, bah, tout ce qui était en plus de ce gâteau, ce que j'ai mis ici en vert, il est parti souvent dans l'économie financière, il a été réinvesti ailleurs, et c'est pour ça aussi qu'on a des problèmes après avec l'économie financière. Donc c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. On peut ensuite répartir autrement, on se dit que vu que ça fait des dégâts parmi les humains, on va favoriser les humains en faisant un revenu de base inconditionnel, donc on va aller rechercher cet argent directement à la source sur le bénéfice des entreprises. On reprend une part et en jaune ici, on a une répartition tripartite maintenant. On va financer une partie du revenu de base avec ça. On va encore financer le capital, les investissements et on va toujours financer les salaires. Et avec ça, on a une manière différente de répartir. Ça change pas grand-chose. Les caisses de compensation peuvent le faire. C'est une manière, et là on favorise l'humain. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On favorise l'humain avec un revenu de base inconditionnel. C'est vers ça qu'on veut aller, c'est à ça que sert le revenu de base inconditionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette répartition tripartite de la valeur ajoutée nette. On va chercher cette valeur ajoutée nette. Et qu'est-ce qu'on peut espérer retirer avec cet argent? On peut espérer retirer quelque chose de l'ordre de 110 milliards. Donc c'est 110 milliards plus 60 milliards qu'on récupérait déjà par le fait que le revenu de base remplace beaucoup de choses qui existent déjà. Et il reste 30 milliards à financer. Dans ces 30 milliards, il faut aussi préciser une petite chose, c'est que en généralisant un revenu de base inconditionnel, on le donne aux enfants.
les enfants reçoivent juste quelques maigres allocations familiales actuellement. Là, ils vont recevoir beaucoup plus. Donc, en fait, dans ces 30 milliards, c'est 25 milliards qui sont destinés aux enfants. Donc, on finance pas des gens qui bossent pas, on finance des enfants. C'est déjà un peu différent dans l'approche. Et là, on voit qu'on devra encore financer ces 30 milliards par des sources diverses. J'y reviendrai plus tard, on verra par quels moyens on peut le faire. Mais ça reste tout à fait plausible. Et c'est des ordres de grandeur. 30 milliards sur 600 milliards de produits intérieurs bruts, c'est pas grand-chose. On peut le faire, on a les moyens. Si on regarde ça un peu plus dans le détail, ça c'est le schéma qui fait peur. Qu'est-ce que ça représente pour un employé, pour un employeur? C'est un peu difficile. Alors je vais essayer d'expliquer tout ça. Ici, je vous montre que le revenu de base, financé de cette manière-là, c'est pas de l'argent en plus à trouver. C'est de l'argent qui existe déjà dans le circuit économique, qui est juste réparti différemment. Donc, c'est facile, on n'a rien besoin d'inventer, il est là. Maintenant, on va faire un exemple pour trois salaires différents. Un haut salaire, un salaire moyen et un bas salaire. Actuellement, le revenu total est égal au salaire. Donc l'employeur donne un salaire à son employé et il donne tout son revenu total. Cette partie-là, le but, c'est que ce soit une opération qui soit neutre. Si vous recevez 7 000 francs de salaire, on introduit un revenu de base, vous recevrez 7 000 francs de revenu total à la fin. C'est la même chose si vous avez un revenu de total de 5 000 francs, qui est un salaire de 5 000 francs actuellement, vous aurez un revenu total de 5 000 francs après l'introduction d'un revenu de base. C'est le même principe, ce qui rentre, ce qui sort. Alors, comment on le fait? On va imaginer que le jour où on introduit un revenu de base, vous avez un salaire de 5 000 francs, boum! On introduit un revenu de base de 2 500 francs. C'est un socle, donc on l'ajoute pas en dessus, on le prend à la base et hop, on remonte tout. Alors, tout d'un coup, ça fait des salaires qui, waouh, il y a plein de gens qui pensent que c'est ça. Donc c'est pour ça que je prends le temps de réexpliquer que c'est un salaire complété d'un revenu de base et ça va pas être ça. Non, 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 parce que là, finalement, on va demander au bénéfice de l'employé, de l'entreprise, donc à l'employeur, de financer le revenu de base avec. Aussi, donc il va prendre dans ce surplus, il ne pourra pas faire revenu total plus revenu de base. Donc ça augmente pas forcément votre revenu total. Vous aurez peut-être la même chose que maintenant. Le but du revenu de base n'est pas de donner plus d'argent à tout le monde, sinon ça risque de faire une inflation aussi. Non, c'est d'assurer un revenu de base qui soit incompressible, que ce soit un seuil incompressible, un socle de base. Du coup, c'est vrai. L'employeur paye le même montant et l'employé reçoit le même revenu. Mais au passage, on a financé un revenu de base inconditionnel, ce qui transforme totalement la société comme je l'ai décrit précédemment. Donc finalement, on a à la fin un salaire de 7 000 qui est identique, un salaire de 5 000 qui est identique et un salaire de 3 000 qui est aussi un revenu de 3 000 à la fin. Et la grande question à se poser maintenant, c'est de savoir si je reçois un revenu de 3 000 francs, que je sais que si je fais rien, je reçois un revenu de 2 500 francs. Donc finalement, je bosse comme un malade à 100% pour 500 francs. Bon, est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me motive pas? Ben voilà, ça c'est une grande question. Est-ce que un bas salaire, est-ce que tout d'un coup on va continuer de travailler pour continuer à avoir un salaire si bas? Il est probable que les employeurs se soient obligés de payer plus les bas salaires. Et finalement, c'est exactement ce que les syndicalistes et les partis de gauche ont essayé de faire en instaurant un salaire minimum. Un salaire minimum contraignant avec un montant fixe, comme on l'a eu en 2014, et qui a été balayé justement parce que c'est un salaire fixe. Ici, on a un mécanisme que tous les syndicalistes et les militants des partis de gauche devraient s'y intéresser parce qu'avec ça, on fait le même effet
Mais avec un revenu de base inconditionnel, on incite à augmenter les montants des faibles salaires, des bas salaires. Les bas salaires vont augmenter, sinon peut-être plus personne n'aura envie de travailler pour si peu. Mais en même temps, on n'oblige pas quelqu'un qui est comme un coursier à vélo. C'est un boulot qui est mal payé, mais un boulot qui est fait par des passionnés. C'est que des gens qui préfèrent faire du vélo plutôt que de faire autre chose. Alors on peut imaginer, par exemple, si j'avais voulu un salaire minimum à 4 000 francs, les coursiers à vélo, ils giclent, il n'y en a plus, c'est pas possible, on ne peut pas tourner, ça marche pas. Du coup, ben, si je veux faire un boulot comme ça, je vais peut-être faire la caisse à la Migros et subir toutes les pressions des gens qui ont envie de me remplacer par des scanners. C'est un boulot que j'aime pas, mais je suis payé plus que si je faisais un boulot que j'aime. Donc finalement, ben, beaucoup de gens ont eu ce raisonnement et se sont dit que le salaire minimum, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas envie. Mais là, le salaire minimum, le revenu de base inconditionnel ici, il agit comme incitatif. Et si j'ai envie de faire un métier qui n'est pas rentable, si j'ai envie de lancer une entreprise, si j'ai envie de faire un petit boulot qui m'offre plus, mais avec qui je peux me contenter de vivre, on n'a pas tous les mêmes besoins. On vit dans des régions différentes, des régions périphériques ou en centre-ville. C'est l'offre et la demande qui va réguler ce montant supplémentaire. Peut-être que ça va augmenter les salaires de 5 000 francs aussi, hein. Peut-être qu'on va passer à 6 000-7 000. Tout dépend aussi où vous vous trouvez. Si on se trouve au centre-ville de Genève ou si on se trouve à La Chaux-de-Fonds, c'est pas pareil du tout. Les logements n'ont pas du tout les mêmes catégories de prix. Donc là, on voit un peu quels peuvent être les effets d'un revenu de base inconditionnel sur un salaire. Et du coup, on a une caisse de compensation qui va être là au milieu, qui va récupérer l'argent que l'employeur paye à partir du bénéfice de l'emploi d'entreprise, et c'est comme ça qu'on finance le fonds de 110 milliards. Et ensuite, l'employé reçoit son revenu de base et son salaire d'une activité rémunérée. Le système est finalement assez simple parce qu'il garde beaucoup de choses qui existent déjà, tout le réseau de caisses de compensation. Le film du revenu de base inconditionnel, une impulsion culturelle qui a été popularisée par les Ballois, et il propose une solution à l'intérieur qu'ils appellent la thèse du latte macchiato. Il propose de voir en fait que dans la cafétéria de l'entreprise Mitte à Bâle, ils vendent des lattes macchiato, et ces lattes macchiato, en fait, ils sont composés de plein de coûts, qui sont les coûts de salaire, des frais de marchandises, des frais d'infrastructure, mais que dans chacun de ces frais, en fait, ben, les frais de marchandises, quand j'achète du lait pour faire mon latte macchiato, eh ben, j'achète aussi le salaire et les charges sociales de l'étape précédente. Et quand j'achète l'infrastructure, c'est aussi les salaires de l'entretien de mon infrastructure, de mon immeuble. Et donc finalement, à chaque étape, on a des impôts qui sont cachés, on a des charges sociales, et puis ils proposent en fait de regrouper tout ça, donc de supprimer l'impôt sur le revenu, et de le remplacer par une taxe unique qui agirait comme une sorte de TVA, où on paye d'un seul coup le paquet fiscal, et là-dedans, finalement, on observe que la part salaire, au lieu de représenter un demi du gâteau, de tous les coûts qui vont être là, elle va représenter plus qu'un quart. Donc finalement, avec ça, on favorise encore une fois l'humain plutôt que les machines. Au lieu d'employer une machine à la place d'employer un humain, on pourra avoir entre une demi et un quart, on aura potentiellement plus de moyens pour employer plus de gens. Et finalement, on aura plus d'emplois qui seront aussi proposés. Et finalement, ben, c'est cette part fiscale qui est payée à la fin comme une taxe à la consommation. Les gens qui consomment plus
ben ils payent plus. Puis les gens qui consomment peu, ben ils payent peu. Donc souvent, là, c'est une sorte de TVA et c'est vu surtout par les gens de gauche comme un impôt qui n'est pas progressif, donc un impôt qui n'est pas juste. Mais en fait, si on le contrebalance par un revenu de base, eh ben ça fait que les gens qui sont en dessous du revenu de base ne paieront pas cette taxe à la consommation parce qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils consomment. Et s'ils vont là, ben les gens payent. Et du coup, ben les gens qui consomment plus, ben payent plus. Donc ça va aussi dans un sens plus écologique. Les gens qui consomment plus de ressources payent plus. Et dans cette part, ben on va aussi dans la part fiscale qu'on voit sur cette image. Donc on va prélever une part pour faire le revenu de base, pour financer ça. C'est une manière de faire aussi. Ensuite, on va passer à un système qui est un peu plus difficile à comprendre, mais qui a certainement pas mal de potentiel. C'est le système de création monétaire. Alors ça, c'est déjà un grand sujet, donc je vais peut-être essayer de tenter de vous faire comprendre ça, mais je pense que ça va être déjà très difficile de vous faire comprendre comment fonctionne le système monétaire actuel. Déjà, il y a une chose fondamentale à comprendre que tout le monde se méprend. Ce n'est pas l'État qui crée l'argent. L'argent de base, c'est la Banque nationale, la BNS, et c'est une banque privée, indépendante, avec sa propre politique. Les politiciens du pays n'ont aucune influence sur la politique de la Banque nationale. La Banque nationale est une banque autonome. C'est ce que la doctrine veut, et une claire séparation qui se fait là-dedans. Ensuite, l'État, son rôle là-dedans, c'est d'avoir défini ce qu'est le franc suisse. Le franc suisse légal, c'est des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes, gling-gling. Les billets que vous avez, billets de 100 francs, tout beau joli. Et les comptes à vue à la Banque nationale. Les comptes à vue à la Banque nationale sont utilisés par les banques pour se refinancer entre elles, et seules les banques commerciales ont droit à avoir des comptes à la vue à la BNS. Ça veut dire que le franc suisse, ce qui est l'outil de paiement en Suisse, ce sont les pièces de monnaie et les billets. Pour le commun des mortels, ce n'est que ça. Tout le reste, ce n'est pas du franc suisse. Ça n'a pas plus de valeur. Ce que vous avez à votre compte à l'UBS, à la Poste, à la Raiffeisen, à toutes les autres banques, ça ne vaut pas plus que des points COP ou des points Cumulus. Légalement, ce n'est pas du franc suisse. Mais c'est une dette libellée en franc suisse. Du coup, on vous fait croire que ça a le même nom. Mais c'est pas ça. C'est que quand vous pouvez aller à la banque, redemander, et ils vous redonneront du franc suisse sous forme de pièces de monnaie. C'est ce que vous faites quand vous allez au bancomat. Donc, on appelle ça des substituts monétaires. Donc, les banques commerciales créent des substituts monétaires. Et elles le créent via le crédit bancaire. Elles ont des limites dans lesquelles on leur impose un cadre avec des réserves obligatoires et des réserves prudentielles pour pas qu'elles fassent n'importe quoi. Mais elles ont le droit de créer ce crédit en substitut monétaire à partir de rien. Vous avez envie d'acheter une maison, un appartement à 500 000 francs. Ok, vous allez à la banque, vous dites j'ai besoin de ça, et vous créez 500 000 francs. Pouf! D'une seconde à l'autre, c'est dans un ordinateur. C'est pour ça que les banques n'ont pas grand-chose à faire. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'employés pour rajouter quelques chiffres sur un compte. Vous avez de l'argent qui est créé à partir de rien. Ils doivent juste vérifier que ce soit dans le cadre légal des réserves obligatoires et des réserves prudentielles. Ça veut dire qu'ils ont l'argent banque centrale chez eux. Et ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de fonds propres qui permettent d'amortir le fait que, si le système s'effondre, ils puissent quand même rembourser une partie, ce qui n'est pas possible. Et en échange de cette création monétaire, vous devrez ramener plus d'argent. Vous devrez ramener des intérêts en plus. Et si on compte, les intérêts, c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques pourcents et tout. Mais chaque année, une hypothèque, ça peut durer des décennies, des décennies. Alors, petit calcul, 3% d'intérêt sur un montant. En 24 ans, ça double. Ça veut dire que en 24 ans,
vous avez payé autant en intérêt que l'argent qu'on vous a prêté. Ça veut dire que vous avez payé deux fois votre maison en 24 ans. Et tout cet argent, ben, il va bénéficier au banquier. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi est-ce que cet argent ne profiterait pas plutôt au peuple, ou à travers un revenu de base, plutôt qu'aux banquiers, qui eux le réinvestissent dans l'économie financière? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a, quand on parle de la création monétaire, c'est en fait plusieurs formes de création monétaire et que le système est très compliqué. C'est pour ça que on a un peu de peine à vraiment savoir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer pour un revenu de base inconditionnel? Très difficile à dire. Deux sources principales de monnaie. C'est la BNS qui crée de la monnaie par la planche à billets à partir de rien. Ce que tout le monde comprend un peu. Et les banques commerciales qui créent ces fameux substituts monétaires qui ne sont pas vraiment de l'argent mais qui sont quand même utilisés, et vu qu'on peut payer ses impôts avec, c'est quand même largement reconnu. Alors il faut savoir que la BNS en monnaie banque centrale, comme on l'appelle, entre 2011 et 2014, la BNS a créé 300 milliards de francs suisses en plus. C'est la nouvelle politique qui a été décidée à un moment donné, c'est pour acheter des euros. Qui pour accrocher le franc suisse sur l'euro, pour le dévaluer. Et ainsi, on modifie artificiellement les taux d'échange entre les monnaies et on sauve toutes les entreprises exportatrices. On a beaucoup d'entreprises en Suisse qui exportent des machines, qui exportent des montres. Et toutes ces entreprises, elles ont besoin d'un taux bas. Sinon, les gens qui payent en euros, ben, s'ils voient que la différence augmente, le prix double et ils peuvent plus acheter des machines, ils peuvent plus acheter des montres. Donc, pour sauver des emplois dans des entreprises exportatrices, la BNS a créé 300 milliards ces 3 dernières années. Avant, ça se situait toujours aux environs de 40 milliards et tout d'un coup, pouf, on frôle les 370 milliards pour ça. Et du coup, moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent aussi pour financer un revenu de base? Finalement, on sauve les entreprises exportatrices, mais les autres entreprises, les entreprises locales, les entreprises qui n'exportent pas à l'étranger, on les sauve pas? Ça veut dire qu'on préfère pas ces entreprises, qu'on a un choix? C'est la politique de la Banque nationale. La Banque nationale est autonome, elle choisit sa propre politique. Mais elle aussi, comme les autres politiciens, elle choisit le plein emploi, elle choisit sauver des emplois. Mais là, elle a choisi les emplois des entreprises exportatrices. C'était un choix. Et finalement, la deuxième partie, c'est les banques commerciales, ces fameux intérêts qui reviennent. C'est ce qu'on appelle un droit de seigneuriage. Et oui, c'est issu du Moyen Âge où c'était le seigneur qui gagnait cet argent-là. Ça a toujours été fait dans des logiques pour enfermer les gens, pour les contraindre. L'histoire des monnaies est passionnante. Je ne vais pas la refaire maintenant, si jamais il existe un documentaire qui l'a fait très bien, dont j'ai mis le lien ici en bas. C'est des systèmes d'échange qui étaient très équivalents à la base, avec des crédits mutuels, des dettes qui s'annulent chez les uns chez les autres, et tout d'un coup, en faisant un système centralisé, un système de banque centrale, un système de seigneuriage, comme au Moyen Âge, on fait un système qui favorise une partie de la population et qui maintient les autres dans la rareté de la monnaie. Et quand on est dans la rareté de la monnaie, on est dans la rareté du travail. On est dans la rareté d'un système qui oblige les autres à travailler pour soi. Donc finalement, on est dans l'abondance. On a déjà tout. Et c'est ce qu'il faut se rendre compte. C'est l'analogie entre le système monétaire et le système du travail. C'est vraiment qu'on est dans l'abondance, mais on se restreint nous-mêmes en utilisant des systèmes qui créent la rareté. Et en créant ces systèmes qui créent la rareté, on crée une emprise d'une certaine classe de la population sur l'immense majorité des autres. Et finalement, le revenu de base est émancipateur, tout autant que si on changeait de système monétaire, ce serait aussi très émancipateur. Voilà, alors c'est des choses qui sont liées. Il y a aussi une initiative qui va être prochainement lancée, qui va aussi parler de comment on fait la création monétaire en Suisse. C'est autant émancipateur que le revenu de base, donc ça va dans le même genre de logique.
Puis finalement, nos 30 milliards qui restaient dans le premier modèle dont je vous parlais, qui était le plus facile à mettre en place, parce que la création monétaire, je ne pense pas que UBS va lâcher de sitôt, on va devoir choisir aussi d'autres moyens. Peut-être que la BNS va pouvoir lâcher 30 milliards par année et ça suffira. Peut-être que finalement on devra trouver d'autres méthodes. Alors il en existe plusieurs. On peut se dire aussi qu'on a des ressources naturelles. En Alaska, ils financent un revenu de base inconditionnel. C'est plutôt une allocation. Depuis 1976, ils ont décidé ça. Et depuis 1982, chaque citoyen d'Alaska reçoit une allocation qui varie entre, suivant les années, 300 et 1000, 3000 dollars. Par année, qui sont issus de tout ce que l'Alaska exporte comme matière première. Donc en Suisse, vous me direz qu'on n'a pas de matière première, mais il se trouve que quand même, on en a, bon, sous une certaine forme, c'est que le tiers du pétrole échangé dans le monde est échangé sur la place financière genevoise. C'est-à-dire que c'est comme si on avait toutes ces ressources financières issues du tiers du pétrole dans le monde. Il suffirait de les taxer pour prendre au passage une partie. Et avec ça, on a quelque chose qui ressemble à l'exploitation des ressources naturelles, une licence là-dessus qui donne. Mais on a aussi des entreprises comme Xatra et Glencore, qui d'ailleurs ont prévu de fusionner, qui sont aussi des leaders mondiaux d'exploitation de ressources naturelles un peu partout, qui font des dégâts catastrophiques dans leur pays, dans les pays à l'extérieur. Et si au moins on pouvait récupérer peut-être une partie, ça n'excuse pas tout, mais ce serait déjà ça. Donc c'est aussi un peu le principe de ce qu'on appelle la taxe Tobin, qui est une taxe sur les transactions financières. Quand je rappelle ce que j'avais dit tout au début, que 97% des flux financiers sont de l'économie financière et ne sont pas de l'économie réelle. Ça veut dire que c'est souvent des robots qui échangent entre eux, qui font du trading haute fréquence, plusieurs milliers de fois par seconde, ils mettent des ordres en bourse. Et il y a même des serveurs informatiques qu'on rapproche le plus près possible des bourses pour gagner quelques micro-nanosecondes pour pouvoir échanger tout ça. Vous savez que la bourse, c'est déjà un endroit où ce qui est régi par les psychoses maniaco-dépressives. Effectivement, c'est toujours soit l'euphorie, soit la dépression. C'est vraiment les symptômes de la psychose maniaco-dépressive. Et ces gens-là utilisent des algorithmes qui eux-mêmes font piloter des ordinateurs qui dirigent le monde. Le monde est dirigé par des ordinateurs. Donc finalement, cette taxe Tobin sur les transactions financières. Dans l'Union européenne, ils ont déjà récupéré des milliards avec ça aussi, en taxant vraiment trois fois rien. Là, il faut savoir que ça limiterait peut-être un peu ces trading haute fréquence qui finalement gangrènent toute l'économie financière, qui elle-même gangrène l'économie réelle et qui ne profite pas aux humains. Et puis finalement, il reste des moyens classiques comme impôts et TVA, mais je pense qu'on n'aurait même pas besoin d'y avoir recours avec les autres manières comment on pourrait utiliser. Parce qu'il suffit de savoir où aller chercher l'argent. Et c'est vrai que l'argent, là, j'ai une petite affiche de ATD Quart-Monde qui montre que la fraude fiscale, il y a beaucoup plus d'argent à faire là. Et c'est des gens qui investissent dans l'économie financière. Donc autant aller la chercher là avec une taxe Tobin. Et puis finalement, en changeant de système, on va aussi permettre d'économiser beaucoup d'argent. Donc finalement, on aura de l'argent en plus, par d'autres manières. Il y a toujours un endroit qui me surprend, comment on fonctionne. C'est de pouvoir créer des boulots qui sont inutiles. Je prends l'exemple du tunnel de Serrières. Le tunnel de Serrières est un tunnel de 800 mètres. Il remplace une route de 800 mètres qui était à quatre pistes avec une glissière au milieu qui ressemblait à s'y méprendre à l'autoroute, mais qui n'était pas avec le statut d'autoroute. Du coup, pour qu'elle puisse avoir le statut d'autoroute, on va créer un tunnel juste à côté. Alors en y réfléchissant, on se dit, finalement, on n'avait pas besoin de ces travaux-là, pourquoi est-ce qu'on les a faits?
Il y a même eu des grandes réflexions politiques, un conseiller d'État qui était contre. Et quand il est rentré au conseiller d'État, tout d'un coup, il a fait un moratoire, et après 6 mois, il est devenu pour. On ne sait pas trop pourquoi, mais à mon avis, c'est parce que finalement, le tunnel de Serrières se trouve dans le canton de Neuchâtel. Dans ce canton, il y a un tunnel qui traverse pratiquement tout le canton, d'est en ouest et de nord au sud. C'est un tunnel qui vient là pour pouvoir utiliser et continuer à faire tourner les entreprises qui se sont spécialisées depuis 30-40 ans en construction de tunnels, en creusement de tunnels. Donc on a tout un tissu économique organisé là autour, des emplois à sauver. Donc finalement, on va utiliser de l'argent pour faire tourner ces entreprises en leur faisant construire ce qu'elles savent faire. Mais si on avait donné cet argent directement aux employés, je suis persuadé que ça aurait coûté beaucoup moins cher. Donc finalement, on aurait économisé de l'argent en ne tournant, en faisant pas tourner des entreprises pour rien, en fait, parce qu'on n'en a pas besoin. À quoi ça sert d'aller creuser des trous, perdre l'argent pour pouvoir mettre des lumières dans un tunnel, utiliser de l'énergie pour éclairer un endroit où il fait nuit en permanence, 24 heures sur 24? On gaspille l'énergie. C'est vraiment une logique du plein emploi qui gaspille. Et ça, c'est des choses que moi j'ai envie que ça change. Et j'ai l'impression que le revenu de base inconditionnel est vraiment un outil transformateur de la société qui va améliorer tout ça, qui va nous faire choisir des projets qui sont vraiment utiles, pour lesquels on a envie de faire quelque chose. Le jour de l'inauguration de ce tunnel, Doris Leuthard est venue, elle a dit que c'était un truc qui avait coûté très cher à la Confédération, parce que c'est l'ensemble de la Suisse qui a payé ça, en grande partie. Et juste après, dans la suite du reportage qu'on peut voir sur la RTS, on disait, les tunnels juste à côté, qui ont une vingtaine d'années, doivent être refaits, parce qu'ils sont vieux. La technologie a changé, les équipements sont obsolètes. Alors ils ont juste 20 ans. Mais il faut tout refaire, tous les équipements. On va pas refaire le trou, mais on va refaire le reste des équipements. Donc du coup, hop, on refait fonctionner, on réinvestit 350 millions pour pouvoir refaire tous les équipements électromécaniques qui équipent ces tunnels. Donc on voit vraiment que c'est une industrie où on finance ça à coups de millions pour pouvoir maintenir le plein emploi. C'est peut-être des gens, s'ils avaient un revenu de base, ils feraient une entreprise pour faire autre chose, un truc plus utile. C'est mon avis. Un revenu de base permet d'avoir une meilleure santé. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Du coup, une meilleure santé, ça veut aussi dire des coûts d'argent de moins. On économise de l'argent sur des frais de santé. Quand on organise la société pour que les gens soient en burn-out dans des entreprises, on les oblige à travailler toujours plus, toujours plus vite, avec toujours moins de monde. On crée des pathologies. On a des gens qui ont des maladies psychiques. On a des gens qui sont en stress, qui finissent à l'AI parce qu'ils ont des maladies dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors est-ce qu'ils ont encore le droit à l'AI ou même pas? Des fois, ils passent à travers les mailles du filet. Il y a une étude qui a été faite en 2010 par le SECO pour savoir quels étaient les coûts liés au stress en Suisse en 2000. Ils ont mis un chiffre en milliards, 8 milliards, liés au coût du stress en Suisse. En comptant la médicamentation, les travails des thérapeutes, et puis la perte de gains des entreprises pour les qui ont des employés qui ne travaillent plus à cause de ça, mais qui payent quand même. En 2010, un nouveau rapport a été fait, mais alors là, je n'ai pas retrouvé, ils n'ont pas remis le coût en milliards, ils ont juste dit qu'en fait, le nombre de gens stressés a très stressé. A augmenté. Il y a beaucoup plus de gens. On est passé à 10% de plus de gens qui sont passés à très stressés. Donc on a encore accentué. Et donc forcément, je pense que les coûts en milliards ont encore augmenté. Et après, il y a des coûts indirects. Alors suivant les études, on passe jusqu'à 50 milliards de coûts indirects. Mais là, ça devient des choses très 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 difficiles à quantifier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tout ça a un coût. Et tout ça a aussi un coût social, des gens qui dépriment, c'est pas bon, pour toutes sortes de raisons. Donc finalement, un revenu de base va certainement améliorer la qualité de vie des gens et va pouvoir économiser de l'argent. Et depuis les années 70,
on observe un décrochement entre la qualité de vie des gens et ce qu'on mesure comme étant la richesse produite par le PIB. Je vous ai dit que le PIB, c'est vraiment un indicateur qui n'est pas forcément très très fiable, mais qui l'indique, qui vaut ce qu'il vaut. Et déjà, depuis les années 70, on indique qu'il y a un net décrochement. C'est l'indice de santé sociale qui observe ça. Donc, quand on voit ces effets-là, on se dit vraiment qu'il faut faire quelque chose, qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Maintenant, quel est le principal problème? Qu'est-ce qu'il faut qu'on résolve? Si on fait un sondage, on demande aux gens, si vous aviez un revenu assuré, est-ce que vous continueriez de travailler? 60% des gens disent oui. 30% des gens disent oui, mais je travaillerai moins ou je ferai autre chose. Toujours entrepreneuriat ou travailler un peu moins pour s'occuper de ses enfants. Et 10% disent je préfère dormir, étudier, voyager. 10%, on l'a vu, c'est déjà la proportion de gens qui sont mis hors du système du travail. Donc finalement, ça ne changera rien. On sait que les gens vont continuer de travailler. Et ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est pas juste ça, c'est la question suivante. Est-ce que vous pensez que les autres continueraient de travailler s'ils avaient un revenu assuré? 80% des gens répondent non. Donc finalement, le plus dur à résoudre dans cette histoire, c'est de convaincre les gens de voir leur propre situation et eux sont prêts à continuer de travailler et donc que les autres aussi vont continuer de travailler. Il ne faut pas croire que les autres sont moins bons que nous-mêmes. Les autres aussi vont continuer de travailler. N'y aura pas des profiteurs. Tout le monde a des motivations à faire quelque chose qu'on appelle du travail, à faire un travail, à faire quelque chose de sa vie. Et c'est là, c'est vraiment une question de confiance qu'il faudra améliorer. Nous sommes dans l'abondance et nous avons besoin de confiance en son voisin. C'est là les principaux points à améliorer pour pouvoir arriver à ce que tout le monde vote oui à cette votation qui va arriver pour introduire un revenu de base inconditionnel en Suisse. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé, c'est à vous de réfléchir et à savoir. Et vous? Personnellement, dans votre propre situation, que feriez-vous avec un revenu de base? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie qui vous est donnée dans l'abondance? Plutôt que la question tellement banale qu'on pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Non, non, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Si vous avez un peu de peine à réfléchir à ça, je vais vous poser la question. Vous imaginez que vous êtes à votre enterrement. Et qu'est-ce qu'on va dire de vous? Il s'est tué au travail? Ou il a créé, il s'est dévoué pour les autres, il a créé des choses incroyables, il a vécu une belle vie, il a vécu pour les autres, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on a envie que ce soit le résultat de sa vie? Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, on arrive au bout de cette présentation, très longue, mais complète, je l'espère. Alors, si vous avez encore envie d'aller beaucoup plus loin, je vous ai parlé du film Le revenu de base, une impulsion culturelle. Vous pouvez le regarder sur YouTube, il est disponible. Si vous voulez en savoir plus, il y a le site de Génération RBI, revenu de base inconditionnel, rbi-oui.ch. Je vous ai parlé à un moment donné d'une fable que j'ai écrite pour aider à comprendre ce qu'est le revenu de base inconditionnel et pourquoi on en a besoin maintenant pour des questions de productivité et comment on en est arrivé là en fait. Je vous ai parlé du réseau qui veut faire instaurer un revenu de base inconditionnel dans le monde entier, le réseau BIEN, Basic Income Earth Network. Et je vous invite à venir parler avec nous sur la page Facebook pour un revenu de base inconditionnel en Suisse. Et si vous avez encore envie de passer à l'action, alors je vous invite à voter oui quand cette votation arrivera
directement un grand oui dans l'urne. Transformons la société. Si vous voulez recevoir plus d'informations, n'oubliez pas de nous inscrire à notre lettre de nouvelles sur le site rbioui.ch, sur le site de bien.ch, il y a aussi une lettre de nouvelles. Vous pouvez parler du revenu de base avec tous vos amis, vous pouvez présenter cette présentation, la partager, la diffuser le plus largement possible. Si vous voulez, vous avez envie d'organiser une conférence dans votre région, d'avoir quelqu'un qui vient pour expliquer tout ça, on peut le faire aussi. Et si vous voulez vous engager, si vous voulez en comprendre encore plus toutes les implications, je vous invite à venir aussi sur notre piste rbi-wi.ch/piste qui permet gentiment, progressivement, de voir tous les aspects et puis de voir tout ce que vous pouvez en faire. Voilà, merci.